Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant 1 heure et demie. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Tom Marty. Bonjour Tom. Bonjour. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour et bienvenue à tous les gens qui nous suivent sur la chaîne YouTube Adobe France ou qui êtes avec nous sur behance.net/live/fr. Si vous êtes du côté YouTube, vous le savez peut-être ou vous le savez pas encore, mais c'est pour ça que je vais vous le dire. Vous pouvez nous suivre du côté Behance parce que sur Behance, moi, ça me permet de regarder les portfolios des gens qui nous suivent, des gens qui nous écoutent, et ça me permet aussi de retrouver en fait les petits plus. Voilà, je vois que vous êtes quelques-uns à être là-dessus. Je vous mets le lien vers Behance, comme ça vous pourrez rester avec nous bien tranquillement dans le chat. Je pense notamment à Denis, Nicolas, Erwan, Thierry, Yao, FF et The Art of Cinema. Je sais que vous aimez bien YouTube, vous avez tous des vignettes sur votre YouTube, donc ça veut dire que vous avez même peut-être des chaînes. Mais si vous venez sur Behance, promis, on sera gentil. On n'a pas de cookies, mais on est quand même sympa. Autre sujet pour démarrer la session, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait tous les jours sur la chaîne Adobe France et sur Behance. Lundi, par exemple, Alexandre Becquet était l'invité de Pauline pour nous présenter Adobe Dimension et l'usage en packaging. Mardi, je vous ai fait une petite session de redécouverte d'InDesign dans le thème identité visuelle, faire du CV, faire de la carte de visite. Et intégrer un petit peu d'Illustrator. Demain, à 14h, je reçois Olivier Gourva de Mostar Design Type Foundry, qui va nous faire le tour de ses créations en typo et qui sera disponible pour vous sur Adobe Fonts. Donc, pas mal de petites choses fort sympathiques en perspective. Et donc, tous les jours, si vous regardez dans la chaîne ou sur Behance, vous verrez qu'on a des invités chaque jour à 14h, qu'il y a plein de contenu, qu'il y a plein de choses à regarder. Donc, voilà. Profitez bien, suivez-nous aujourd'hui et suivez-nous le reste de la semaine ou regardez les replays, il y a plein de trucs. Du coup, je vais retourner à mon invité que j'avais lâchement abandonné. Dis-moi, Tom, si tu devais te définir en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Bah, vidéaste qui tente de faire critique de cinéma, mais bon, qui est avant tout vidéaste parce que je n'ai pas les compétences nécessaires pour être vraiment ce qu'on appelle un critique de cinéma. Donc voilà, comme le cinéma c'est ma passion, j'ai décidé de mettre en corrélation mes deux passions, c'est-à-dire le graphisme et le cinéma. Avec ma chaîne YouTube, donc La Science de Marty, que j'ai lancée en 2015. Voilà. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Je Ouais. pense que ça pourrait être un peu plus parlant si on allait peut-être sur ton écran et regarder ce qu'il y Ouais. a par exemple sur ta chaîne YouTube directement. Allez, je mets Alors, on a chez toi. Si t'as un navigateur sous la main, c'est bien. Oui. Yay. Navigateur et pas de Alors, mention. Pouf, on est chez toi. voilà. La séance de Marty. Alors attends, je vais faire un petit sondage en amont. C'est est-ce que dans les gens qui nous suivent, dans les gens qui sont là sur le chat, je pense notamment du coup à tous ceux qui sont sur Beyond, Virginie, Lise, Seysoun, Julien, Alex, Delphine, Greg, Yao, Linty, Erwan, etc. Est-ce que tous ces gens-là, vous connaissez déjà la séance de Marty? Vous mettez LSDM 0, 50 ou 100%. 0%, genre vous découvrez, et donc il va pouvoir nous raconter toute son histoire. 100%, vous êtes ultra fan, vous lui avez déjà écrit des commentaires, vous mettez des likes à chaque fois qu'il passe et tout ça. Comme ça, on voit à peu près et on arrive à cibler le propos. Il y a un paquet de vidéos sur ta chaîne, dis donc. Bah, il y a pas mal d'abonnés qui diraient qu'il n'y en a pas assez. Parce que bon, il y a quand même 6 ans là. La première, ça remonte à 6 ans. Donc c'est. Moi, je dirais que c'est. Pas ouf non plus, hein. C'est pas ouf non plus, mais c'est bien quand même. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Heureusement que je me suis lancé il y a 6 ans. Voilà. C'est ça. Quel rythme sur cette chaîne d'ailleurs? Le rythme de quoi? De production, de... Ah bah c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, clairement. Alors là, c'était mes débuts. Donc à l'époque, je faisais. Comme à la base, je suis graphiste et illustrateur, je me suis dit, c'était l'époque où tout le monde lançait sa chaîne YouTube, donc il fallait trouver un concept un minimum original pour se démarquer. Donc moi, j'ai dit, ouais, bah, je vais faire du dessin et de la critique de cinéma. Le truc, c'est que
À cette époque-là, donc il y a 6 ans, je n'avais jamais touché un logiciel de montage de ma vie. Et en fait, j'étais dans une école de théâtre et je parlais tout le temps de cinéma avec un des mecs que j'ai rencontré là-bas, qui est devenu un pote, et qui lui était en école de design, en école d'audiovisuel, etc. Je m'en rappelle. Et il me dit, mais mec, il faut qu'on lance notre chaîne YouTube ciné, quoi. Il faut qu'on fasse de la critique ciné, parce que c'était le grand engouement à ce moment-là, ça commençait vraiment à cartonner. Et puis moi, je lui ai dit, bah ouais, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai pas envie de me lancer avant d'avoir un truc précis en tête. Puis j'ai pas de caméra, j'ai pas envie de me filmer, tout ça, parce que c'était la grande époque du faut faire des films de Durandal, etc. Et donc, du coup, donc voilà, j'ai dit, ouais, mais on pourrait le faire en format podcast. Et puis j'ai dit, moi, j'écrirai et je dessinerai. Et je m'enregistrerai. Et toi, tu montrais. Parce que lui, il Lui, il commençait un était peu à... monteur, il avait le. Lui, il commençait un peu à taquiner, mais c'était pas un monteur. Voilà, il était encore en études, quoi. Mais il voulait lancer sa chaîne à côté. Et puis voilà. Donc, on a fait cette première vidéo qui s'appelle Nightcall ensemble. Donc, moi, je lui fournis les dessins. Est-ce que tu cliquerais dessus pour Ouais, regarder un alors. truc d'il y a 6 ans? Est-ce que tu vas réussir à regarder un autre truc d'il y a 6 ans ou Non, pas? non, par contre, je ne vais pas mettre le son parce que je ne peux pas entendre ma voix de l'époque. C'est hors de question. Voilà, le son est désactivé. Dieu merci. Non, pas... Alors, ça, c'est un petit message que je laisse aux gens qui nous regardent. Ne me laissez pas des commentaires sur mes premières vidéos. Je ne sais plus ce que j'ai dit dedans. J'en ai aucune idée et je ne veux pas le savoir, en fait, parce que c'était le moi d'il y a 6 ans et j'ai plus rien à voir avec cette personne. En fait, je ne la connais pas. Donc, il y a plein de gens qui viennent m'incendier des fois ou qui viennent me féliciter sur des vidéos qui datent d'il y a 6 ans en disant « Ouais, mais là, t'as dit ça. » Je dis « Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai dit dans cette vidéo. » Je m'en fous. Ne m'en parlez pas. Donc, voilà, parce que j'ai trop… Il y a des youtubeurs qui se lancent des défis de regarder leurs anciennes vidéos. Moi, j'en serais parfaitement incapable. Donc, rien que le ton de ma voix, la façon dont ma voix a été posée à l'époque, je trouve ça. Et même des vidéos qui datent d'il y a 2 ans, j'arrive pas à les regarder. Donc, il y a six Donc ans, j'en parle. ça veut dire qu'il n'y aura jamais un épisode de la séance de Marty, de la séance de Marty. Non, jamais. Impossible. Alors là, non, je serais beaucoup trop sévère. Donc voilà, donc même les dessins, je les trouve nazes là, un peu. Enfin, j'aurais pu faire. Bon. Il n'y a pas d'animation, quoi. Il y a plein de gens qui me. À l'époque, déjà, qui me disaient, ouais, mais avec Flash, on peut faire des petites animations, ne serait-ce que pour les yeux qui clignent et tout. Et tu t'étais pas Je sais lancé? Ou pas. tu t'étais dit Non, juste que t'avais pas le mais temps ou pas envie? C'était quoi? j'avais pas le temps, j'avais pas la. Ouais, parce qu'il fallait qu'on se lance maintenant dans la mesure où lui il avait sa vie. Il fallait jongler entre nos deux. Voilà, on était tous les deux très occupés. On savait qu'on n'allait pas pouvoir faire une formation rien que pour ça. Donc on s'est dit on va prendre nos acquis qu'on a maintenant et tant pis, hein, on y va. Donc du coup moi le dessin, voilà, j'ai juste fait les dessins. Indépendamment, et puis après je les ai détourés. Toute la mise en page, je l'ai fait sur Photoshop et je lui ai mis voilà, un petit écran. À la base, ça devait être ça, la mise en scène. On devait faire un petit écran en haut à gauche pour passer les extraits du film. Et après, lui, donc, c'est lui qui a fait le montage. Et dès la deuxième vidéo, bon. Je sentais que lui, il avait moins en moins de temps. Moi, j'étais de plus en plus investi. Et lui, de moins en moins. Donc, celle-là, c'est la. Ça a été vite le glissement quand même. Ah, ça a été très vite. Ça a été Dès la hyper rapide. deuxième, c'est Ah, ouais, dès la deuxième, il a fallu que je m'occupe de ça tout seul parce que lui n'était pas assez investi. Puis même, il sentait qu'il était trop invisible dans le projet. Il était juste monteur, alors qu'à la base, il fallait qu'on fasse un truc à deux. Mais bon, comme il ne s'investissait pas assez pour proposer, je vais faire. Je vais écrire, je vais faire. Donc, du coup, c'était moi qui prenais en charge tout ça, et du coup, c'est devenu la séance de Marty, quoi. Donc, ça devenait plus très pertinent d'avoir qu'on soit deux sur le coup. Donc, du coup, j'ai appelé, j'ai laissé un post sur Facebook pour dire est-ce que quelqu'un se prenait en première pro? J'aimerais apprendre les bases des bases. Et là, il y a un pote à moi qui m'a répondu ouais, je connais deux, trois trucs, je peux peut-être t'aider. Et en fait, avec le recul, il ne connaissait rien du tout. Mais bon, en tout cas, il m'a mis le pied à l'étrier. Il connaissait un peu parce que moi, j'arrivais sur Premiere et j'étais comme une poule dans un cockpit d'avion. Tu vois, je ne savais pas, je ne comprenais rien. Tous les boutons, j'étais là, mais qu'est-ce que. Voilà. Mais à quoi ça peut bien Donc voilà, servir ça, ce truc? c'est Est-ce que ça. tu Donc. étais du genre à cliquer sur chaque bouton ou au contraire à surtout ne rien cliquer au cas Et où bah, tu casserais un truc? justement, moi, clairement, j'étais dans la deuxième catégorie. Et le peu de. En fait, voilà, ça, c'est un truc très important que je veux dire, parce que là, autour de. Enfin, pendant le live, il se peut que s'il y a des monteurs qui nous regardent ou des graphistes,
il se facepalme en disant mais c'est pas possible, il se fait tellement chier pour rien, il y a une manière tellement plus simple de faire ça. Enfin bref, donc ça c'est sûr. Parce que par exemple, pour faire des masques d'opacité, je passais par des combines pour faire ne serait-ce que pour recadrer des trucs. Enfin bref, c'était scandaleux quand je repense à moi à l'époque, c'est pas possible. Et les tutos, on va me dire les tutos, mais s'ils sont pas payants, s'ils sont gratuits, ils sont. Et puis quand on a une idée en tête et Oh, qu'on de n'a toute pas façon, quelqu'un, faut qu'on n'a pas expérimenter, quoi. quelqu'un. Ah, c'est ça, quand on n'a pas quelqu'un à côté de soi à qui on peut vraiment demander comment faire. Donc c'est très compliqué. Donc du coup, voilà, ça a vraiment, mon savoir a vraiment évolué de manière empirique. Donc il n'y a pas vraiment d'institution qui m'a appris à faire ci, ci, ça ou ça. Pour première, pas du tout, du tout, du tout, par contre. Voilà. Ce qui fait que il y a encore plein de trucs que je sais pas faire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais, Marty, il est monteur. Non, je suis surtout graphiste et monteur. Voilà, ça a été super chaotique. Voilà, on peut peut-être revenir à ma chaîne. Vas-y. Ouais, non, mais tu vois, moi, ce que j'aime bien avec les gens qui ont de la vidéo, c'est que du coup, tu parles, mais il y a un fond, c'est animé et tout. Ouais. Les gens écoutent le podcast, mais ils regardent des images en même temps, ils restent concentrés, c'est bien. Ouais. Et Donc du du coup, coup, voilà. d'ailleurs, j'ai eu des réponses. Hein, et du côté YouTube, les Ouais. gens te connaissent à 100% pour la Ouais. plupart. Walter White, Clément Lullet, Nico, Warren DX, Nella, tout ça. Et du côté Beyonce, un petit peu moins. Alors, Yao nous dit, je t'ai connu avec la vidéo du roi et l'oiseau. Ah, ouais, c'est ma meilleure. Bah tu C'est vois. encore ma meilleure vidéo. Et Erwan nous dit, je suis viewer de l'ombre principalement. Donc, tu vois, c'est. D'accord, ça marche. Bonjour à tous. Voilà, donc bon, je continue l'historique un peu de la chaîne, ou Vas-y, c'est bon, on passe à autre chose. Alors, bah, du coup, voilà, j'ai continué à dessiner. Ensuite, j'ai changé de format. Je suis passé à un format dessiné, mais j'ai arrêté les petits chats, ça me gonflait. Et je me suis dit, bon, je vais faire une seule illustration avec un écran beaucoup plus grand, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de reproches comme quoi l'écran était trop petit par rapport Au de la sujet, par rapport à vidéo, ce que tu au sujet de présentais, la ouais. vidéo, voilà. Et du coup, j'ai agrandi l'écran, j'ai fait une mise en page un petit peu plus classe, avec surtout un dessin en couleur, quoi. Pardon, je suis. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Je voulais dire un Que truc, j'ai perdu le fil. t'as Voilà, été. donc du coup, ouais, non, j'ai arrêté le dessin tout court. Parce qu'avant, en plus, il fallait que je fasse énormément de chats, parce qu'il fallait qu'il exprime ce que j'étais en train de dire, ce qu'il y avait à l'écran. Donc c'était en fait une somme de travail monstrueuse, pour un résultat assez naze d'ailleurs, moi je trouve. Et donc du coup, je vais faire une illustration. Après, l'autre problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, les gens ne comprenaient pas que c'était moi qui dessinais, quoi. Parce que sur YouTube, si on dessine, il faut qu'on voit le mec dessiner, il faut Faut bien qu'on qu'on doit au comprenne. fur et à mesure construire le dessin. Ça. Déjà, ouais, déjà. Je l'avais fait un moment, je vais essayer de retrouver la vidéo, je l'avais fait un moment. Parce que j'en avais un peu marre que les gens ne comprennent pas que c'est moi qui ai Genre, dessiné, quoi. c'est moi l'illustrateur, c'est bon aussi. Voilà. Donc les gens, ils croyaient, en fait, la plupart des gens croyaient que j'allais glaner une image sur le net et que je la mettais comme ça pour faire joli. Et que Et comme vu par le hasard, elle temps. avait toujours le même style en plus. Voilà. C'est ouf, hein. Non, mais après, il y a les gens qui passent une fois et qui reviennent pas. Mais voilà. En tout cas, il y avait énormément de commentaires. Soit ça ne me parlait jamais du dessin dans les commentaires. Ça parlait que de ce que je disais de la vidéo en soi. Ça parlait jamais du dessin, vraiment, jamais. Hein. Voilà. Ça, c'est moi en train de dessiner. J'ai essayé de faire ça en me disant, bon, pour qu'on comprenne un peu le concept de la chaîne. Donc, soit ça me parlait jamais des dessins, soit ça disait ah, c'est dommage, il y a une image en premier plan, on voit pas assez le film. Ouais, quand il te parlait du dessin, c'était pour faire chier, ou alors il t'en parlait pas. Ouais, Voilà, c'est sympa. ça, Merci c'est le ça. public, hein, c'est votre faute. Ouais. J'ai envie de leur dire, bon, les gars, si vous voulez voir le film, vous allez voir le film, parce qu'en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle par-dessus le film, c'est très embêtant. Donc, quitte, si vous voulez voir juste le film, allez voir le film. Vous plaignez pas qu'il y a un truc au premier plan, c'est quand même la plus-value de ma chaîne. Donc je me suis dit, bon, on va laisser tomber le dessin, c'est du temps pour rien, ça me saoule. Et à partir d'un. J'ai fait un diptyque, c'était en 2017. Ouais. En 2017, En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma chaîne décollait pas du tout. Genre, pas du tout, du tout, du tout. Que ça, je faisais de moins en moins de vues. Donc, c'est quand même ouf, quoi. Donc, voilà. Tout à ce moment-là, c'était très timide, mais c'est normal, c'est les débuts, on va dire. À partir de là, mes dernières vidéos, c'était une catastrophe. Les vues,
presque elle déclinait, je faisais 300-400 vues par vidéo. Ouais, ce qui est un peu Pour frustrant pour le boulot. ah mais des nuits blanches de travail, même ma vidéo sur Alien, c'était nuit blanche sur nuit blanche pendant pas mal de pendant quelques mois, hein, un ou deux mois. Enfin, je faisais absolument que ça parce que j'avais laissé de côté mes jobs alimentaires, ça me saoulait. Pour ça fait bizarre de Tout voir ces images, consacré là. Ça à... fait tellement longtemps que j'ai pas eu ça. Ouais. Donc voilà, j'avais laissé tomber les jobs alimentaires pour me consacrer qu'à ma chaîne. Et quand je voyais les vues qui vraiment, pire que stagner, régressaient, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, Tom, t'as joué, t'as perdu. On va pas passer notre vie à s'obstiner comme un con. Donc on va faire une dernière vidéo, un gros truc énorme, là où vraiment je me suis chauffé de ouf et j'ai décidé de faire un énorme projet de vidéo. Et après, basta. Voilà, j'arrête la chaîne et on verra vers quoi la vie me mène. Mais en gros, la séance de Marty, ça devait être terminé. Je l'avais annoncé à tout le monde, à mes proches. Et à l'époque, mes vidéos, elles faisaient 15, 16, enfin, il y avait 15 commentaires à tout casser. Et puis, sur même la page Facebook, il y avait mon meilleur pote et ma mère qui likaient les trucs. Sinon, C'est ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est le voilà. minimum quand même. Je veux dire, c'est un peu ce que Voilà, oui. t'attends de la famille. C'est ça. Donc, le reste, rien du tout. Et je me suis dit, bon, ben voilà, on va arrêter la chaîne. Donc, je me suis lancé dans un énorme projet de vidéo qui s'appelait Le cinéma, c'était mieux avant. Je pose la question, hein, est-ce que le cinéma, c'était mieux avant? Bon, c'est deux vidéos dont on parle encore pas mal aujourd'hui parce que ça a été le moment où ma chaîne a un peu décollé. Mais tu continues de relire les commentaires de celle-là, ça va ou pas? Oui, bien sûr, mais même je reçois, comme je t'ai dit, je reçois pas mal de commentaires sur mes anciennes vidéos, donc ça fait plaisir, hein, là, les vues ont augmenté. Et donc là, ça a été la première fois. J'avais fait un dessin d'ailleurs pour cette vidéo. Et c'est le moment où j'ai dit, bon, le dessin, ça n'a rien à foutre là, ça saoule. Et en plus, les gens comprennent pas enfin, ils pensent que c'est une image que j'ai trouvée sur Internet. Donc on va pas se fatiguer, on va virer le dessin. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à adopter le plein écran et ça m'a ouvert énormément de possibilités, d'options. Donc c'était quand même vachement mieux. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que dans la vidéo, je montre Durandal. D'ailleurs, je montre le François Teurel et Durandal. Voilà, quand la vidéo est sortie, elle est quand même. Enfin, pendant que j'étais en train de la faire, je me suis dit, bon, le sujet est tellement vaste et tellement gros, ça ne va jamais tenir dans une vidéo, il faut que je coupe la poire en deux. Donc, j'étais en mode, ouais, c'est ma dernière vidéo, mais bon, Et j'en en fais fait, ça deux va quand être même. une série de Voilà. 72 vidéos Voilà. différentes. Donc je sors la première qui est quand même vachement bien reçue pour la communauté que j'avais à l'époque où quand même les abonnés commençaient doucement à arriver. Et comme il y avait Durandal dans la vidéo, je rentre un soir de soirée bourré et je lui envoie le lien des vidéos par message. Sans bonjour ni au revoir, rien du tout. Ah, le sagouin, quoi. Ah ouais, le sagouin, vraiment. Mais parce qu'il était dedans, donc du coup voilà, je lui envoie la vidéo par message. J'étais trop saoul ce soir-là pour écrire quoi que ce soit, donc je l'ai juste envoyé. Et puis il y a une semaine après, j'étais chez un pote et tout. Enfin, j'étais plus, j'avais complètement oublié. Et je reçois un pavé de lui qui me dit, mais mec, c'est super. Enfin, il m'écrit plein de trucs, il me donne son avis. Il me dit, ouais, là-dessus, je suis pas d'accord. Là-dessus, c'est pertinent. Nanana. Enfin, il m'écrit vraiment un pavé. Il a pris le temps de Et pas regarder une conscience mention sur les sur. dessins des vidéos d'avant. Non, non, parce qu'il les avait pas vus. Enfin, je sais pas. En tout cas, on n'en a pas parlé. En tout cas, sur celle-là, il n'y en avait pas de dessin. Et là, il me dit, bon, ben, je vais partager ta vidéo sur Twitter. Et là, ma boîte mail a explosé et j'ai eu, je sais pas combien je sais pas, 3 000 abonnés dans la soirée. Enfin, c'était fou. Voilà. Et à partir de là, la chaîne a vraiment été lancée. Donc, merci à lui, hein, encore une fois. Et c'est à ce moment-là que, le temps que je sorte la deuxième partie, là, la chaîne commençait un peu à prendre. Donc j'ai dit, bon, ben voilà, ben, c'est pas terminé du coup. Donc voilà, Finalement, ça voilà. marche, c'est Voilà. le coup Donc pousse. c'est ça. Sachez que cette vidéo-là, ça devait être la dernière, à la base. Voilà. S'il n'y avait pas eu ce petit coup de pouce de Durandal et s'il n'y avait pas eu un petit peu du mieux, parce que quand même, en dehors de ça, il y avait quand même du mieux au niveau des vues et des abonnés. Ça s'est bloqué un peu au moment où j'ai pris la décision d'arrêter. Comme quoi, il faut un déclencheur La à un vie. moment pour pouvoir passer à autre chose, à la suite, quoi. C'est ça. Donc voilà, je regrette pas d'avoir arrêté le dessin. C'est vraiment là, à partir de là que ma chaîne a pris son identité au niveau de tout.
du sound design, du graphisme, même ma voix, au bout d'un moment, elle était mieux posée. Et c'est à partir des vidéos, genre ouais, Minority Report, The Cell, Le Roi et l'Oiseau, qui reste pour moi encore aujourd'hui ma meilleure vidéo, où là, j'ai vraiment trouvé mon ton, mon truc à moi, parce qu'avant, j'avais vraiment pas assez d'outils, aussi bien au niveau du graphisme que du sound design, du montage, pour avoir mon truc à moi, quoi. Donc, c'est vraiment à partir de là. La dernière barre du haut, où là, vraiment, j'ai atteint un palier qui fait que je suis vraiment content. Même si le cinéma s'était mis avant, c'est trop vieux pour moi. J'arrive plus à les regarder. Je supporte pas ma voix dedans. Donc, ça fait partie de ces vidéos où je me rappelle plus trop ce que j'ai dit dedans parce que je les regarde. Voilà, c'est il y a 3 ans, c'est trop vieux pour moi. Il y a 3 ans, ouais. Parce qu'il y en a 10 qui nous disaient, mais qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et il y a 2 ans pour que tu les réécoutes plus? C'est principalement la voix ou c'est... Ah, c'est toujours ça. C'est le truc qui me traumatise le plus. C'est de la voix, c'est l'aspect de ma chaîne qui est le plus compliqué. Si les gens se demandent quelle est la phase que je déteste le plus et qui est le plus compliqué, c'est celle-là. L'enregistrement, parce que il faut qu'il y ait du silence partout, il faut que je relise 20 fois la même phrase avec la bonne intonation, et surtout il faut que ce soit naturel. Donc en fait, quand j'ai l'air d'être naturel dans mes vidéos, je ne le suis absolument pas dans la réalité, parce que pour que c'est l'air naturel, il faut justement que je travaille beaucoup, parce que si je suis naturel, soit la voix va être trop molle, soit elle va être trop énervée, enfin voilà. En tout cas, c'est vraiment un dosage hyper hyper pointu pour avoir l'air naturel. Des fois, même quand faut que j'ai l'air surpris d'une réaction où je me marre, ça c'est compliqué parce que j'ai pas du tout envie de me marrer quand je m'enregistre, mais vraiment pas. Surtout quand c'est un rire qu'il faut que tu refasses 3 fois d'affilée, crois-moi, t'as pas du tout envie. Plus t'as l'air con, tu te sens con, t'es tout seul devant ton écran, donc c'est pas très grave, il y a personne qui te voit te marrer. Oui, moi je me vois, voilà. c'est très pénible. Donc tu es ton pire public en fait, ton critique. Voilà. J'ai une question dans le chat qui me dit, mais alors du coup c'est quoi son but? Est-ce que c'est juste de faire des montages pour distraire? Ah oui, mais moi je suis un roublard de première. Moi, si on fait la somme de ce que je dis dans mes vidéos, c'est pas si intéressant que ça, hein, mais je vous distrais avec du montage, du sound design et tout, et de la mise en scène. C'est vraiment ma technique, hein. Moi, c'est beaucoup moins rigoureux au niveau de l'analyse pure qu'un François Teurel, ou de manière sourcée, c'est beaucoup moins rigoureux qu'un Monsieur Bobine. Si mes vidéos c'était juste des vlogs face cam, c'est quand même un peu naze, quoi. Par exemple, la guerre des mondes, c'est surtout de l'esbrouf. C'est une vidéo dont on parle énormément, mais j'ai quand même écrit pas mal de paragraphes dont je suis assez content, où il y a de l'analyse. Mais le 3/4 du temps, c'est quand même de la mise en scène pour replonger les gens dans l'atmosphère du film. Mais finalement, en termes d'analyse, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément de critique pure, il n'y a pas de point de vue très intéressant. Mais alors pour justement cette histoire d'analyse, de critique pure et de point de vue, est-ce que c'est quoi? C'est ton école de cinéma? T'as fait une école de cinéma ou une école de... Non, non, du tout. J'ai juste fait une école de communication visuelle à Aix-en-Provence qui s'appelait Intuit Lab. C'était une école privée que j'ai fait après le collège, parce que le collège, ça me saoulait. Voilà, donc on m'a mis dans une école privée. Enfin, j'ai trouvé cette école privée qui était vachement bien. Et je ne l'ai même pas fait jusqu'au bout, hein. Ils ne m'ont pas gardé parce que je faisais trop ce que je voulais, je n'étais pas assez bon élève. Non, ouais, vraiment. Je prenais un sujet et puis je me l'appropriais trop sans respecter le brief. Donc ça les a saoulés. Ils ont dit, ouais, Tom, c'est pas pour lui la com. Et c'est vrai que la première année, c'était bien dans cette école parce qu'on faisait beaucoup de dessins à la main, de peinture, enfin les bases. Et après, ça s'orientait vraiment vers marketing com. Donc on était là pour vendre du dentifrice. C'était 99 francs en fait. Donc, j'étais beaucoup moins attentif de plus en plus. J'étais de moins en moins attentif, pardon, parce que l'orientation de cette institution me gonflait. Je voulais pas, c'était sûr que je voulais pas faire de la com, je voulais vraiment être plus créatif. Mais c'était des écoles qui se la pétaient en mode on fait de la pub, mais on est créatif. C'est surtout de la com. Donc voilà. Non, mais je veux pas faire une mauvaise pub à cette école. Non, puis après je pense qu'il y a des choix de carrière, des envies des uns des autres. Et toi, tu avais surtout envie de parler de cinéma à l'époque. Non, à cette époque, pas trop. Enfin, là, on est en 2008, là. 2007, donc, c'était il y a très, très longtemps. Mais après cette école, j'ai rien fait comme formation. J'ai fait une formation PAO d'1 an. C'est-à-dire,
où j'ai commencé à taquiner, bah, c'était pour Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, ce que je fais plus du tout aujourd'hui. Enfin bon, bah, c'était les bases de la suite Adobe, hein. Et j'ai eu mon diplôme, mais donc j'ai eu un diplôme de metteur en page, infographiste metteur en page. Donc voilà, mais donc j'ai jamais vraiment utilisé, enfin ça m'a jamais aidé à trouver du taf, quoi. Donc à chaque fois, c'était pendant pas mal d'années, ça a été ouais, Tom, j'ai besoin d'une affiche, d'un flyer pour mon truc. J'ai mon beau-frère qui ouvre un restaurant, tu veux pas lui faire son menu, enfin voilà, ça a été ça Ouais, ce qui est pendant des années. ce qui marche bien, je pense, ce qui est. Oui, ce qui est un peu le lot de nous tous dans ce milieu. Voilà. Après, j'ai passé la phase où je refuse quand un pote me demande un logo parce que quand on a 25 dans l'année, au final, tu as quand même perdu pas mal de temps. Parce que bon, voilà. Mais des très bons potes, oui, je leur fais leur logo. Et donc voilà, j'ai donc après avoir arrêté cette école, ben, j'ai fait des petits jobs alimentaires et puis je suis monté sur Paris pour faire une école de théâtre. Parce qu'à un moment donné, je voulais vraiment m'orienter là-dedans. Et c'est donc là que j'ai rencontré ce mec avec qui j'ai débuté la chaîne. Et donc du coup, après 1 ou 2 ans à faire des petits tafs à côté et en même temps bosser ma chaîne, j'ai dit, bon, ben, c'était au moment du cinéma, c'était mieux avant, hein, clairement. Où là, j'ai dit, bon, ça suffit, si je veux vraiment une chaîne YouTube, il faut que je fasse que ça. Et puis c'est tout. Donc je me suis débrouiller avec les aides sociales pour pouvoir vivre un minimum et pouvoir être à plein temps sur cette chaîne. Et donc voilà, donc maintenant c'est vachement mieux depuis que j'y consacre tout mon temps. Et donc la question de base, c'était le rythme de parution. Donc bah, c'est crescendo, quoi. Là, dans l'année, j'avais sorti tout ça, je crois. Après, le cinéma, c'était mieux avant, j'avais mis 5 mois à chaque fois, 4 mois, ouais, 4 mois, c'était 4 mois à chaque fois. Et c'est après j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sound design, parce qu'avant je mettais que ma voix et de la musique. Et en fait, tout a basculé au moment où je me suis dit, ah ouais, mais quand il y a une explosion à l'écran ou quand il y a un personnage qui tape dans un mur, il faut qu'il y ait le son de ça. Donc le temps de travail a été démultiplié, parce qu'en plus du montage visuel, il y a eu le montage sonore. Et en plus de ça, le montage visuel, comme on va le voir, est de plus en plus exigeant, voilà. Donc du coup, ça fait de moins en moins de vidéos, mais qui sont de plus en plus longues et de plus en plus fournies et de plus en plus exigeantes. Donc Alors, voilà, je pense que c'est un premier. de plus en plus exigeante, il y a Max qui nous pose une question et Anundri lui répond. Il nous dit, j'ai rapidement regardé quelques passages dans les vidéos, super boulot, je connaissais pas la chaîne. Tu t'occupes de tous les effets dans After Effects et qu'est-ce qui te prend le plus de temps aujourd'hui? Alors, je n'ai jamais touché After Effects. Voilà. C'est comme je vous dis, j'ai pas de formation, ce qui est un gros problème parce que, comme j'ai dit, quand je veux arriver à mes fins, des fois je passe par une myriade d'optionnalités où je connais pas les raccourcis. Du coup, je sais pertinemment qu'il y aurait moyen de se faire beaucoup moins chier pour arriver à un résultat, mais du coup, je le fais qu'à partir de mes savoirs empiriques. Donc du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver la meilleure la façon la plus rapide et facile d'arriver à mes fins. Et donc du coup, si j'ai pas réussi à apprivoiser un logiciel, comme les deux logiciels que je connais vraiment, c'est Photoshop et Premiere, c'est les deux logiciels que vraiment je maîtrise. Les autres, si j'ai pas quelqu'un à côté de moi qui m'explique vraiment les bases. Et en plus, il y a eu un pote à moi qui connaissait un tout petit peu les rudiments de After. Il est venu, on a essayé, mais on n'avait pas assez de temps devant nous. Et j'ai rien retenu, quoi, de ce qu'il a dit. Enfin, vraiment, c'est une philosophie. En plus, ce qui est déroutant, c'est que c'est pas du tout la même philosophie avec Première, quoi. C'est C'est clair, vraiment tout. t'es C'est limite tout. plus proche de Photoshop quand t'es dans After, je pense. Ah ouais, ben ouais. C'est tout, c'est complètement. Et moi, les histoires de points d'ancrage, de calque sur After, c'était un cauchemar. Et j'ai dit, non, mais j'ai vraiment trop de mal avec ce logiciel. Et c'est vraiment terrible parce que, mais je sais que là il va falloir que je me paye une formation et que parce que je sais que je vais me baffer moi-même en me disant, mais j'aurais trop dû faire ça avant, c'est trop con parce que je sais qu'il y a plein de possibilités. Enfin, je passe à côté de plein de choses, quoi, ça je le sais, mais voilà. Pour Alors l'instant, je j'ai. fais que sur Premiere et Photoshop, pardon. Non, t'inquiète. Il y a Olivier qui nous dit, mais alors du coup, comment tu fais pour en vivre en sortant si peu de vidéos? Ah.
Eh ben, je bricole parce que j'ai ouvert un Tipeee donc il y a 2 ans. Donc ce Tipeee, me permet, s'il y a des tipeurs qui me regardent, je vous remercie chaleureusement. Sans vous, je pourrais. C'est pas possible tout ça. Donc c'est eux qui me permettent de payer mon loyer, clairement. Voilà, donc là pour l'instant j'ai un Tipeee quand même assez correct, surtout pour le nombre de vidéos que je fais. Ma communauté est habituée au fait que je travaille longtemps et que je suis absent de YouTube pendant très longtemps et que je sors une vidéo qui va quand même être massive où je me fous pas de leur gueule parce que j'ai quand même bossé et puis la vidéo est longue. Tu perds pas du temps à faire des petites vidéos de 45 secondes pour leur dire bientôt j'arrive, quoi. C'est ça, voilà. Exactement. Et surtout à côté, et c'est aussi ça va aussi répondre à la question pourquoi le temps de parution est un peu long, c'est que pour pouvoir vivre quand même, je bosse à côté pour une chaîne qui s'appelle Chronique Fiction, de Mike et Fabio. Ils m'ont contacté il y a à peu près, c'était en 2019, début 2019, ils m'ont contacté en disant qu'ils adoraient mon travail. Donc voilà, on a été proches, on s'est rencontrés, c'était très sympa. Et puis, à un moment donné, j'avais vraiment des galères de thunes et j'ai mis un post sur Twitter pour dire si vous avez besoin d'un monteur, moi je suis dispo pour des petits tafs à côté. Ils m'ont dit, ah ça tombe bien, on y pensait depuis un moment et voilà, on aimerait bien que tu montes nos épisodes. Et donc j'ai commencé à monter un ou deux épisodes, ils ont été vraiment contents, ils ont dit, bon, maintenant je t'occupe de tous les épisodes. Du coup, comme ils ont besoin, là par exemple, depuis 3 mois que je suis arrivé là, je suis dans le sud chez ma mère, je suis venu pour bosser tranquille. Et j'ai fait 2 épisodes à eux depuis. Donc voilà. En général, ça ne me prend pas plus d'une semaine. Hein, je tiens à rassurer les. Mais pendant une semaine, il faut que je sois concentré Que sur que ça. sur eux. Ouais, parce qu'on fait une version, puis après, ils reviennent vers moi pour un débrief et il faut changer. En plus, on n'a pas du tout la même méthode de travail. Moi, je travaille petit bout par petit bout au fur et à mesure. Et eux, ils font toute une version d'un coup, puis après, ils peaufinent, ils peaufinent, ils peaufinent jusqu'à arriver là. À la version finale. Mais alors du coup, cette concentration, ça veut dire que quand toi tu fais tes vidéos, même si elles prennent 5 mois, pendant tout ce temps-là, t'as en entier tous les plans dans la tête et tu sais ce que tu vas mettre, t'es obligé d'avoir le film en entier dans la tête pour faire le montage. Non, mais le film, je le revois. 2 ou 3 fois avant de commencer la vidéo, et puis il y a le texte qui me guide tout du long. Après, tout est chaotique dans la mesure où, enfin, les gens seraient surpris de voir à quel point c'est le bordel. C'est vraiment pas ordonné, quoi, ma façon de travailler. Ça veut dire que moi, des fois, avant de mettre une vidéo en ligne, des fois, la veille, j'ai retouché, j'ai réécrit tout un paragraphe et j'ai remonté. Parce que le texte, il change constamment. Le champ, le, jusqu'au moment où je monte. Le passage et que je fais le graphisme et tout, à partir de là, ça bouge plus parce que je suis sûr de moi. Mais sinon, il y a plein de trucs où je me dis, au dernier moment, j'enlève des pans de paragraphes entiers où je me dis, bon, ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est trop peu. Faut vraiment que. Ouais, sur la vidéo que j'ai faite, il y avait une petite maxime, enfin, une citation. Et pendant que j'étais en train de monter dessus, je fais, non, mais c'est pas, il y a une fenêtre énorme là, c'est trop con de pas la saisir, il faut que je dise un truc à propos de ça. Puis j'ai écrit ça quoi, et après ça m'a pris un mois, enfin presque, non, un mois, mais bien 2 semaines pour monter tout ce passage que j'avais écrit vraiment juste à l'improviste. Donc, mais bon, quand là j'arrive dans la phase où cette vidéo vraiment me demande énormément d'investissement, et là je commence à plus voir le bout, donc je tiens à rassurer les gens, elle va sortir. D'ici la fin de l'été, parce que c'est bon, là maintenant le texte il est bouclé. Maintenant c'est la dernière ligne droite, je fonce jusqu'à la fin. Parce que. J'ai une question de Nicolas Lemaître qui nous dit, est-ce que tu ne fais pas de storyboard? Ah non, pas du tout. Surtout pas. Parce que je bascule hein, sur Première. Non, 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 je fais absolument pas de storyboard parce que. Ah oui, ça c'est du Parce montage. que. Ouais. Je fais absolument pas storyboard parce que en général j'ai à peu près une idée en tête. Mais ce qui est génial et avec cet outil et avec voilà le processus créatif, c'est que les idées elles viennent quand on met la main dans le cambouis. Donc ça sert à rien d'avoir une idée trop précise en tête parce que tu peux pas vraiment juger de la pertinence de la composition d'une image tant que tu l'as pas devant les yeux. Donc là par exemple, je sais que je vais parler de Scorsese. Donc
Donc, je fais ma petite marque de fabrique, c'est-à-dire que je fais pause dans l'image d'un film, je l'affiche et je la détourne sur Photoshop, si ça veut bien se lancer. Mais c'est pas dit. Tu as dévoilé ton secret, attention, c'est le Ouais, gros truc. ouais, voilà. Donc, je prends une interview de Scorsese où il bouge et je mets pause à un moment et je fais arrêt sur image. Et là, je le détourne sur Photoshop. Et après, j'en fais ce que je veux. Et je peux mettre un fond, je peux le faire glisser, je mets la typo à côté. Donc voilà. Donc après, j'ai juste ça en tête. Et par exemple, l'affiche d'Aviator, je ne savais pas comment la mettre avant. Donc surtout pas storyboard, quoi. C'est vraiment la règle d'or, c'est de jamais être trop précis sur ce qu'on veut à la base, parce que faut toujours se laisser surprendre par les aléas de ce que tu vas trouver sur le tas. L'affiche d'Aviator, je savais que je voulais qu'on la voie à côté de Scorsese, mais je ne savais pas comment, je ne savais pas comment elle allait arriver, de quelle manière. Donc tout ça, c'est du bricolage, constamment, constamment, constamment. Je ne savais même pas que le fond allait être jaune et que l'image allait être dans les tons jaunes. Donc je savais juste que j'allais figer Martin Scorsese pour montrer pour Montrer que ce des soit éléments et du coup en fait tu as remplacé tes images figées d'interview, enfin elles ont remplacé les illustrations que tu faisais jusqu'aux premières séances quoi. C'est ça en fait, ouais, clairement, c'est pour ça que je m'éclate beaucoup, je perds beaucoup moins de temps et puis le dessin ça me saoule, c'est vraiment pas un truc. Et Je ça, tiens dessine. d'ailleurs ouais fermons la parenthèse dessin, du coup tu dessines plus du tout même pour toi? Non, non, non. Non, non, je dessine quand c'est l'anniversaire d'une amie ou d'un pote et que voilà, je lui fais un petit croquis pour son ami. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que je dessine de moins en moins et ça me manque pas du tout. Vraiment, quoi. Donc effectivement, ouais, il y a toujours ce côté graphisme figé. Mais c'est plus avec du dessin parce que ça n'est pas ça colle pas bien avec le format YouTube, hein. Je pense que les gens ils sont pas il n'y a pas beaucoup de dessins sur YouTube, ou alors j'en ai pas vu beaucoup. C'est pas un truc auquel les gens sont bien familiarisés, j'ai l'impression, quoi. Ou alors des tutos pour dessiner. Ouais, ça c'est plus pertinent de faire ça sur YouTube. Mais juste balancer des dessins comme ça, les gens voient pas comprennent pas vraiment que voilà. J'ai Yao qui me dit, est-ce que ça t'arrive de faire des allers-retours entre le montage vidéo et l'enregistrement audio, ou est-ce que tu enregistres tout d'un coup et tu montes tout d'un coup? Ah non, 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 non. C'est petit bout par petit bout. Par exemple, je vais avoir un paragraphe, je vais m'enregistrer. Une fois qu'il est enregistré, je vais monter par-dessus, etc. C'est impossible pour moi de faire une session d'enregistrement super longue où ça n'est jamais arrivé que tout soit enregistré avant que je commence le montage. Jamais, jamais, jamais. Par exemple, voilà, tout ce que j'ai monté, après, il va falloir que je me réenregistre. Donc là, demain, je suis parti pour une séance d'enregistrement et après, je vais monter par-dessus ce que j'ai dit. Mais je ne fais jamais vraiment d'aller-retour, quoi. Une fois que c'est enregistré, c'est enregistré. Des fois, quand il y a des intonations qui ne me plaisent vraiment pas ou un jeu d'acteur qui ne me convient pas, je le réenregistre. Mais c'est très délicat parce que le montage est vraiment basé sur ma voix. C'est vraiment ma voix qui est le squelette de la vidéo. Donc, si je change un truc à la dernière minute et que je reviens en arrière, il y a tout le processus de montage qui en est affecté. Donc, quand je m'enregistre, il faut vraiment que je fasse gaffe que c'est la dernière avant de monter. Sinon, après, c'est vraiment le bordel. Alors tiens, petite question puisque tu parles du sound design. Art of Cinema nous dit quel micro tu utilises pour enregistrer la voix off? C'est un Shure, c'est très populaire. Moi, je le vois vraiment partout sur YouTube, sur même à la radio, des trucs comme ça. Je suis rentré dans une boutique et j'ai dit, je veux le plus cher. Tenez, on a celui-là, il est plaqué or. Voilà, c'est ça. C'est tout. Mais C'est un très bien. Shure avec une carte son Focusrite à 100 euros. J'ai vraiment pris. Ouais, ça fait la blague en termes d'espace. Voilà. Voilà. Du coup, donc Max me disait, alors Mehdi Media nous dit j'aime cette approche sur le pas de storyboard. Nadine nous dit intéressant, autodidacte et non formaté. Je comprends pourquoi je trouvais cette chaîne si originale. Le Merci. côté non formaté. Et Max s'étonne, il nous dit tu perds pas de temps à refaire entièrement certains passages sans. Est-ce que tu ne perds pas trop de temps à refaire certains passages sans storyboard? Ça va à l'encontre de toutes les bonnes pratiques que j'ai en tête. Mais c'est Ah intéressant. ouais. Ah non, non, mais moi, c'est pour moi faire un storyboard, ce serait de la pure perte de temps. Parce que de toute façon, il y a toujours un écart immense entre ce que tu as dans la tête et ce qu'il y a au final.
Et donc, tu as beau faire un storyboard, c'est bien joli. En plus, de toute façon, honnêtement, c'est pas pour me vanter, mais j'ai pas besoin de storyboard. J'ai dans la tête ce que j'ai vraiment à peu près envie de voir. Je sais que je voulais faire un clip avec SimCity, et ça sert à rien de faire un storyboard, si tu veux, parce que j'ai le film sous les yeux. Et dès qu'il y a, par exemple, un mouvement de tête, là, par exemple, il va bouger la tête, et j'aime bien comment la cravate, comment elle est sur cette image. Donc, je place le curseur au fur et à mesure pour voir quelle image me paraît iconique et bien composée. Là, je mets pause, je détoure Bruce Willis sur Photoshop, je fais le montage, la typo, le fond rouge, la typo, etc. Et donc, avoir un Photoshop, enfin, avoir un Photoshop, pardon, avoir un Un storyboard, storyboard. je vois pas du tout à quoi ça m'aiderait. Ouais, tu serais plus bloqué qu'autre chose. Le storyboard, ce serait peut-être vaguement pour te dire, tiens, aujourd'hui dans le sujet, je parlerai un bout de SimCity, un bout de Ah ouais, non, Scorsese, mais etc. je vois pas, vraiment, je vois Mais... pas absolument aucun intérêt parce que s'il y a le texte, ou bah, le texte, de toute façon, je le connais, le texte, c'est moi qui l'ai écrit. Et le film, je le connais aussi. Donc, par exemple, voilà, et là, je savais que je voulais qu'il y ait Jessica Alba qui danse et je voulais une image au début, hop, hop, on la récupère, et une image à la fin. Donc, comme je dis, je passe le curseur image par image pour voir quelle est l'image qui me plaît le plus pour faire pause. Et là, après, je la détour. Et en plus, enfin, la vidéo, c'est du mouvement. Donc, un storyboard, c'est figé. Le mouvement, tu peux pas vraiment te rendre compte de voir si c'est aussi fluide que dans ta tête du moment que tu n'as pas fait des tests. Oui, puis Donc, du surtout coup, toi, faire. t'es pas sur de la... c'est pas toi qui filmes les images. Voilà, de C'est-à-dire que toute façon. les images sont de toute façon timées, elles existent déjà dans un certain rythme, et tu Ah, serais voilà, plus j'ai. en galère à essayer de recaler ça que d'un... Exactement ça. Donc non, je pas de storyboard, non, aucun intérêt. Zéro. Olivier nous dit, est-ce que tu utilises toi des templates préfabriqués de première, ou est-ce que tu modifies, enfin, et que tu modifierais, ou est-ce que tu crées tout toi-même de zéro? J'en ai qu'un seul de template. Un seul. C'est pour que l'image tremblote un tout petit peu pour faire des images des années 30. Alors je vous montrerai. C'est le seul que j'ai. Je veux pas me la jouer, mais c'est vraiment le seul. Attendez. Hop. Là, j'ai fait une sorte d'espèce de vieux diaporama. À un moment donné, là, voilà, là, le petit tremblement de cette image, on le voit très peu. Bah, j'en ai différents. Il y en a qui tremblent beaucoup plus de manière plus saccadée, plus vite. Celui-là, c'est le plus lent. C'est pour faire vraiment cette espèce de diapo. De vieux films. Mais là, par exemple, ne serait-ce que le zoom, le côté pellicule qui saute, ça, je l'ai fait à la main. Tout est fait à la main. Y a le seul template que j'ai, c'est le. Non, je vois aucun intérêt à. C'est ce qui me fait le plus kiffer, moi, c'est de justement faire des Pouvoir tests et de ajuster. trouver mon truc à moi. Réajuster, je me passe complètement des templates parce que je veux pas d'un truc formaté, je veux justement qu'on sente ma patte à 100% du début à la fin. Donc voilà, même quand il y a la lumière, quand c'est en surexposition ou en sous-exposition, tout ça c'est à la main, voilà, il n'y a aucun template. Une autre Très bien. question. Oh, il y a plein de questions, il y a énormément de questions. Ah, Non, mais cool! attends, les gens sont hyper intrigués et tout. Gégé nous dit, alors est-ce que tu as des soucis de droit d'exploitation, droit d'image, droit d'auteur ou autre sur tes vidéos? Tout le temps, non-stop, toute ma vie. Voilà. Je sais, ça en vient des fois à un point où je ne sais jamais vraiment. Je commence à être rodé pour savoir qu'est-ce qui va pas passer. Donc, à une époque, je mettais des extraits de films. Donc, ça, faut que j'arrête. J'ai complètement arrêté. Par exemple, dans une vidéo qui s'appelle La 25e heure, qui n'est plus disponible d'ailleurs, il faut que je la remette en ligne sur un autre site, mais qui n'a jamais été acceptée sur. Sur YouTube. Sur YouTube, parce que je mettais trop d'extraits du film. Donc, ça, j'ai arrêté de passer des extraits. Maintenant, si je veux parler d'un passage de film, je le raconte ou je trouve une combine pour ne surtout plus passer d'extraits de film. La musique, ça passe à peu près parce que je parle par-dessus et il y a du sound design, donc ça va. Là, par exemple, cet extrait m'inquiète un peu parce qu'on entend quand même un peu la BO de Slumdog Millionnaire.
Mais bon, il y a quand même du sound design en pagaille, j'espère que Ok, ça va il faudrait aller. que tu parles plus fort que la BO. Voilà, c'est ça. Ouais, non. Non, parce que c'est un moment, là, au moment où on voit le palais avec marqué Slumdog Millionaire, je ne parle pas. Il n'y a que la musique, mais bon, j'ai mis des sons, vous verrez lesquels. Et donc, ça va. Avec l'expérience, je commence à. Mais le problème, c'est qu'on ne peut jamais savoir parce que YouTube, ça change. Les règles, les restrictions, enfin, évoluent constamment. Et on sait pas jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont aller jusqu'à ce que le robot YouTube soit complètement totalitaire et qu'il laisse plus rien passer et que YouTube ça devienne juste voilà un endroit pour ceux qui font des podcasts voilà pas, même François Torel qui est quand même dont la notoriété n'est plus Bien faire. enfin qui est quand même ce que j'appelle un gros poisson, il a encore des énormes problèmes avec YouTube constamment à cause de vidéos qui sont bloquées, interdites aux moins de 18 ans sans aucune raison, du coup ça lui plombe ses vues. Même Chronique Fiction, nos réunions, c'est toujours comment éviter la censure, comment éviter le strike, comment éviter les claims, comment voilà. Donc c'est déjà on bosse tout le temps. Et en plus, faut toujours avoir ça en tête pour contourner, parce que là, moi, ça fait quand même 8 mois que je bosse sur cette vidéo. Si elle passe pas à cause d'une chanson, bon, la chanson, je vais la remplacer, mais je vais dire voilà. Et alors, du coup, ça veut dire que Lourdes. quand tu prépares une vidéo, il y a ce moment où enfin, ça t'arrive de publier la vidéo sur YouTube et YouTube te dit non, là, ça passe pas, et tu refais, tu retouches le montage. Moi, ça m'est arrivé une fois, bah, donc pour ma meilleure vidéo, là, qui est Le Roi et l'Oiseau, qui n'est pas disponible sur ma chaîne. Hein, voilà. C'est pour ça que je pense qu'elle ne dépassera jamais les 50 000 vues, cette vidéo, parce que bon, elle est sur un autre site. Et les gens font rarement l'effort, même s'ils sont redirigés par un lien, Ah, c'est ils compliqué hein, cliquent pas de. quand, ouais, quand la vidéo n'est pas dans l'algorithme et qu'elle ne circule pas. C'est très problématique. Du coup, bah, Le Roi et l'Oiseau, elle a été acceptée pendant 1 semaine. En fait, à la base, j'avais mis un extrait, parce que j'avais dit que j'arrêterais. Je l'avais encore fait, parce que je suis tellement amoureux de ce film qu'il fallait absolument que je mette un extrait du film tel quel, parce que voilà, je fais tout le temps la connerie. Et le robot YouTube a dit non. J'ai fait bon, j'ai fait une version, je suis repassé sur la table de montage, j'ai courti tous les extraits. C'est un truc que j'ai fait aussi pour La Guerre des Mondes, d'ailleurs. Mais avec La Guerre des Mondes, ça a passé. J'ai tout raccourci, tous les extraits qui étaient. Je me suis vraiment démerdé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'extrait tel quel. Et donc, je l'ai fait pour Le Roi et l'Oiseau. Ça a marché pendant 1 semaine. Et la vidéo a disparu. Merci. Et j'ai une connaissance, quelqu'un qui m'a dit qu'apparemment, ce sont. C'est, pardon, c'est le. C'est la famille de Jacques Prévert qui met la pression Merde. pour striker absolument. Hop, il y a d'autres vidéos, il y a Le Claps, qui a fait une vidéo sur Le Roi et l'Oiseau, tranquille et nil, il a pu mettre sa vidéo en ligne, il n'a pas eu de problème. J'ai fait une réclamation pour demander pourquoi lui et pas moi, pas de réponse. Donc voilà, il y a aussi d'autres vidéos sur Le Roi et l'Oiseau, hein. Je crois qu'il y a même MJ Fermela qui a fait une vidéo récemment dessus, pareil, pas de souci. Mais. Sachant que moi, il n'y a pas d'extrait tel quel du film, il n'y a que des images avec ma voix par-dessus. Il n'y a aucune raison juridique. Voilà, mais bon, encore. C'est compliqué, c'est un peu le Moulinsard du film d'animation, du coup. C'est ça, voilà. Donc, j'ai perdu espoir que cette vidéo revienne sur YouTube. Et bon, si vous voulez la voir, elle est disponible sur Vimeo. Voilà. Et donc, ça, ouais, ça a été le vrai exemple d'une vidéo qui a tourné pendant 1 semaine avant de se faire comme ça striker sans raison. C'est un strike manuel. Quand il y a un strike manuel, c'est en général même pas la peine de faire recours. YouTube va dire rien à foutre. Si c'est un strike automatique, oui, il y a quand même si on fait une réclamation, il y a moyen d'être entendu. Mais un strike manuel, ça veut dire que les ayants droit, les propriétaires, ont fait manuellement une action pour interdire ta vidéo. Donc merci la famille de Prévert et merci TF1 Vidéo de m'avoir censuré cette vidéo. Vous êtes géniaux. Voilà. Et donc, du coup, ça sert à rien de faire recours parce que YouTube va toujours privilégier les ayants droit plutôt que le créateur. Il y a Art of Cinema qui demande si tu as essayé de la réuploader. A priori, non, du coup. Non, non, je préfère pas. Je préfère si ça va être la même chose, je pense. Et je préfère pas trop me faire remarquer parce que ouais, YouTube, c'est. Voilà. On n'a pas envie de faire les marioles parce qu'on sait jamais quand ça va leur péter de te.
de te striker ou de supprimer ta chaîne ou te mettre en de mettre une suspension ou je sais pas quoi. Enfin bref, je préfère pas. Si les gens ont vraiment envie de voir mon travail, enfin, il y a une vidéo quand même sur YouTube, sur ma chaîne, qui est explicitement fait pour rediriger les gens vers la vidéo. Donc ceux qui sont vraiment intéressés par mon travail feront quand même l'effort d'aller cliquer sur le lien. Tant pis pour les autres. Mais je vais pas faire le mariole avec YouTube et restrike et remettre en ligne telle quelle une vidéo qui a été strikée parce que je Ouais, pense que il n'y a ça pas peut de leur raison, puis ça va péter. être plus nuisible à long terme, alors qu'il y a déjà le lien et qu'ils peuvent le retrouver. Pour C'est info, ça. d'ailleurs, puisque vous nous suivez et que vous regardez un petit peu le chat et que ça échange dessus, je vous ai mis les différents liens qu'on a évoqués jusqu'à présent, un peu de Durandal, un peu de François Terrel, un peu de Chronique Fiction, et du coup le fameux Roi et l'Oiseau. Et vous irez Super. regarder toutes les vieilles vidéos, de toute façon vous pouvez les écouter encore. Et vous Tant nous que vous direz m'en quelle voix parlez vous pas, ça. préférez. Ah Mais alors ne non, ça, commentez pas sur les vieilles vidéos. c'est impossible, c'est impossible. Ma façon de parler était vraiment insupportable à l'époque, et ça, je le concède vraiment. Mais là, on fait qu'une seule prise, hein, c'est que du direct. Ouais, pour ça que je déteste ça d'ailleurs. J'ai horreur de ça. Va passer, t'inquiète. J'ai même jamais vu la vidéo que j'ai fait avec François, parce que François Perel m'a invité pour un épisode de Cut, où on a fait un remontage. Et là, on est filmé, je déteste ça, et puis je n'ai pas la mainmise sur le. J'ai pas le contrôle de mon image, du coup, Ouais. je l'ai jamais vu. Tu l'as Le truc. jamais revu. Non, 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 je peux pas, je peux pas. Je vais aller voir un peu les commentaires pour voir ce que ça dit, mais j'ai pas pu la regarder parce que si je me vois à l'écran, c'est plus du tout. Alors, attends, c'était lequel? Est-ce Voilà. que c'était Inception ou c'était un autre? Non, c'était 50 nuances degrés. Ah, bah voilà. Je vais vous mettre le lien parce que je sais que vous aimez bien. On s'est bien marré. Ah ouais, un grand film. Très bien. Très bien, très bien. Ok, alors vas-y, du coup, quand t'es sur ton plan, donc il y a énormément de contenu, énormément de pistes vidéo, pistes audio. Sur chaque vidéo, t'as toujours la même organisation, tu rajoutes des couches au fur et à mesure. C'est quoi ta méthode sur Ah la. ben, c'est vraiment ça, c'est vraiment le mot, c'est des couches, pour le coup. Comme en peinture. Moi, je dis, c'est vraiment comme en peinture, hein. On fait une couche, puis après, on ponce, on ponce, on ponce pour arriver à un résultat. Par exemple, attendez, je vais vous montrer un passage. Ah ouais, il y en a qui vont se foutre de ma gueule, je viens de découvrir un truc. Je ne l'ai découvert que sur cette vidéo, hein. Donc, ça va être la première vidéo où je vais l'utiliser. Et attention, je l'utilise tout le temps. Maintenant. Et c'est, à mon avis, Qu'est-ce que tu as découvert? alors, pour n'importe qui, c'est un peu la base, mais moi, ça a été un truc complètement révolutionnaire. C'est, 2 secondes, hein. C'est dans opacité, il y a des options. Il y a fondu, obscurcir, produit, densité. Tout ça, j'avais jamais touché parce que, pour en revenir, donc moi, je suis vraiment le genre de mec qui touche pas tant que ça marche. Tant que ça marche, Donc, ne casse dès rien. que. Voilà, donc quand je vois un menu déroulant avec des trucs que je connais pas, je ne touche jamais à moins qu'on m'y force. Mais là, j'ai commencé un peu à bidouiller là-dedans et c'est miraculeux. C'est parce qu'avant, je faisais des effets de transparence où je baissais l'opacité pour qu'on voit deux trucs en même temps. Et maintenant, plus besoin. Donc, j'ai fait. Mais pourtant, tu disais que tu étais adepte de Photoshop pour la partie détourage, préparation et tout. Donc Bah tu oui, les mais as, ces masques d'opacité. Ouais, mais justement, sur Photoshop, j'y touchais pas non plus. Voilà, par exemple, là, je voulais faire une espèce de fresque avec énormément de. Je suis désolé, ça saccade. Avec énormément d'affiches qui glissent et qui s'entremêlent pour créer une image un petit peu abstraite. Et donc, avant, pour faire ça, j'aurais utilisé, bah, juste. Enfin, j'aurais juste joué avec l'opacité à faire des jeux de transparence, mais ça n'aurait jamais été aussi bien parce que. On garde pas la luminosité du coup, elle est tarie. Alors que là, je peux la garder et toutes les images se superposent, elles sont en transparence. Je ne garde que les éléments éclairés. Je peux jouer sur énormément de choses, donc pour ça, c'est royal, c'est absolument génial. Donc ouais, je fais surtout énormément de séquences imbriquées. Du coup, là, ça a l'air très fourni, mais ça l'est encore plus de Ouais, base parce quand tu re que rentres dedans, sur chaque voilà. élément, tu vas avoir des sous-éléments. C'est ça. À peu près tout ce que vous voyez là, c'est à peu près tout que des séquences imbriquées, sauf quand je passe que les extraits du film. Mais vous voyez, même la séquence d'avant, ça s'appelle Diapo Colors, mais
Je ne sais pas combien il y a de séquences imbriquées dans les séquences imbriquées, quoi. Mmh. Voilà, j'ai voulu faire un diaporama avec des films récents, mais avec un cachet de vieilles pellicules toutes cramées. Ouais. Donc là, bah, il y a déjà les. Comment dire? Il y a déjà une image pour, voilà, pour créer ce cache, ce vieux cache. Ensuite, bah, il y a les extraits du film. Et puis, il y a toute la myriade de filtres vieilles pellicules que je suis allé choper sur YouTube en HD, que j'ai superposées les unes sur les autres, avec à côté bah, ce qu'on voit là, le petit effet de pellicule qui tourne. Un autre calque pour l'effet pellicule qui. Voilà, enfin bref, tout ça. Là, il y a encore aussi des effets de vieilles pellicules cramées. Que j'ai mis en superposition du coup dessus. Du coup, Du c'est. coup, ça a un peu révolutionné ton workflow de découvrir les modes de cuisson. C'est bien. Voilà. Non, mais Voilà. c'est plutôt une bonne chose quand même. Ah ouais, bah oui, c'est une bonne chose. J'imagine que c'est la leçon 1 du Ouais, je chapitre ne suis 1 pas sûr. Attends, de. si tu fais Ah du ouais? montage, tu coupes quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, j'étais quand même très content. Et du coup, ça m'a ouvert plein de portes. Bah, du coup, c'est pour ça. Il faut pas faire de storyboard et d'avoir trop d'idées précises en tête parce que à partir du moment où j'ai découvert ça, c'est là où je me suis dit ah mais du coup la fiche d'Aviator je vais pas du tout l'incruster comme je fais d'habitude parce que d'habitude je le fais pas comme ça. C'est la première fois dans l'histoire de ma chaîne que j'expérimente ce genre de truc. Du coup la fiche d'Aviator je l'ai mise et j'ai joué avec les options de fusion pour voir comment ça colle, quelle serait l'image la plus pertinente. Et du coup, voilà, ça a donné ça. Et c'est vachement mieux que si j'avais une idée trop précise en tête et que si je m'y serais tenu depuis le début, je ne serais pas arrivé à ce résultat-là. Donc, il faut toujours se nourrir des imprévus, se nourrir de ce qu'on voit à l'écran, parce qu'il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Par exemple, le fait qu'on voit sa main comme ça ouverte, ben, ça change énormément de choses au niveau de la composition. Du coup, le titre, je vais le mettre là et pas là. Où je vais le mettre, la date 2005, je vais la mettre de ce côté-là pour qu'elle caresse un peu le bord de la main et je vais pas le mettre près du visage. Enfin, il y a tout est en constante évolution. Donc, et quand j'ai mis pause, j'avais pas prévu qu'il lèverait la main. C'était de Oui, l'imprévu. c'était Donc, le bon moment en termes de visage, en termes d'expression. voilà. Alors ça d'ailleurs c'est un truc qui me fait penser, toi qui fais beaucoup d'arrêts sur image, Ouais. j'avais entendu Jason Levine, qui est un des mecs qui fait la vidéo chez Adobe, qui disait, mais en fait il y a jamais de bonne image arrêtée. Est-ce que c'est un constat que tu as fait en cherchant les bonnes images justement? Qu'est-ce qu'il entend par là en fait? Bah, que quand tu prends une vidéo, si jamais tu fais une pause dessus, t'auras jamais la même intensité, le même résultat que si tu étais en train de shooter, de faire la photo de plateau et de prendre cette photo-là. Il y Ah, aura je suis toujours pas. la petite expression qui va pas, Ah, mais je suis pas d'accord du tout. le... Ah non, 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 non. Ben, moi, alors par contre, combien de fois ça m'est arrivé? Ben, après, je vois ce qu'il veut dire. Je suis dans l'absolu d'accord avec lui parce que il y a plein de fois où je me dis bon. Parce que ça, c'est vraiment mon spécial, hein. Je le fais tout le temps, je pense que mes abonnés le savent, que voilà, je mets pause, voilà, je mets pause, et si ça veut bien se lancer, je mets pause, et hop, je fais une image figée. Mais là, par exemple, cette image me correspondait totalement, elle n'aurait pas pu être mieux. Mais je vois ce qu'il veut dire dans la mesure où, quand dans ma tête, parce que je ne fais pas de storyboard, par contre, je fais la vidéo dans ma tête. Hein. Et dans ma tête, je me dis, ouais, je vais mettre pause à ce moment-là, ça va être génial. Et une fois devant le truc, c'est nul, c'est complètement naze. Et j'essaye de chercher image par image, et non, il n'y a rien à faire, quoi, ça ne marche pas. Du coup, bah, dans ces cas-là, il ne faut pas s'obstiner, il faut se dire, bon, si c'est pas ça, ce sera autre chose, il ne faut pas se laisser démonter. Et ça arrive rarement. C'est vraiment plus souvent l'inverse qui se passe, c'est-à-dire, putain, je suis trop content. Là, j'ai mis pause je trouve cette image plutôt agréable. Du coup, bah, non, ça, je pense que quand je mets pause, ça aurait pas pu être mieux. Ça aurait pas pu être mieux. Je vois pas ce que j'aurais voulu changer. À part si lui, c'est vraiment un photographe et qu'il a envie d'avoir une emprise Non, mais en vrai, sur ce ouais. qui se passe dans le film. Après, comme c'est un gars qui justement se filme beaucoup pour du Ah ouais. tuto ou autre, il disait à chaque fois, si jamais je fais une pause et que j'essaye de choper un extrait d'une des vidéos, forcément il y aura une expression bizarre.
Donc, Ah ouais, après ça dépend sur quoi il bosse, mais bon, moi quand je bosse sur des films en haute définition, puis c'est souvent des films américains, puis eux, ils ont un peu le sens de l'image iconique du plan parfait, ce qui fait que très souvent, j'ai des propositions qui sont toutes faites pour faire un arrêt sur image. Là, par exemple, je vois pas comment ça pourrait dire une affiche, alors que, non, je parle pas de mon montage, je parle de la façon dont il pose l'acteur, on dirait une affiche, on dirait un shooting photo. D'ailleurs, donc du coup, c'est tout indiqué pour faire un arrêt sur image. L'image est hyper bien composée. Donc, du coup, c'est du caviar pour moi. J'ai juste à choisir ce que je préfère. Enfin, la pose qui me paraît la plus iconique et la plus cool, j'ai qu'à faire pose et je détourne. Après, oui, lui, je pense que s'il bosse sur des films qui n'ont pas cette philosophie, enfin, ce sens de l'image posée. Parce qu'un film comme Sin City, typiquement, c'est fait pour que chaque plan ressemble à une bande dessinée, à une planche de bande dessinée. Après, faire ça sur un film de Haneke, ou tu vois, si tu fais pause sur un, si tu fais un arrêt sur image sur un film de Wes Anderson, bah, y a plus qu'à, quoi. Les plans sont fixes, ils sont hyper bien composés. Pour un graphiste, c'est du caviar, il n'y a plus qu'à, tu vois. Alors que si tu fais ça avec un film des frères Darden ou Du kit de la caméra à l'épaule ou de la caméra à des... l'épaule, ouais, si tu fais ça avec du Lars von Trier, c'est très difficile. Là, je vois ce qu'il veut dire. Effectivement, trouver la bonne image pour faire pause, ça ira jamais. Il y aura toujours un flou, il y aura toujours un truc dans le champ qui est pas Ouais, il y bien. aura Enfin bref, toujours ouais, je. un élément qui se met C'est pas en ça. place. Donc je vois très bien ce qu'il veut dire. Et oui, dans l'absolu, c'est vrai. Après, dans un film, que ce soit un film de Scorsese, de Kubrick ou Sin City, c'est nickel. Il y a vraiment, on dirait que c'est fait pour. Donc, ouais. Et alors toi, d'ailleurs, tu récupères les, tu travailles sur les versions 4K, sur les versions HD, sur les. Oh, bah, je télécharge toujours ce qu'il y a de plus lourd. En général, un film qui passe dans ma vidéo, il fait 10 gigas. Donc, il y a un budget disque dur monumental, là, les gars. Ça, voilà. Donc, je vais. Question son, parce qu'on a beaucoup parlé de son, tu nous as dit d'ailleurs que ça t'avait révolutionné tout ça. Nico nous, alors il y a deux questions successives. Nico nous dit, tu fais comment pour le sound design? Est-ce que tu utilises une banque sonore? Et Malolborn nous dit, il me semble que le son pour toi est d'une importance capitale. D'où viennent tous ces sons et effets sonores de suspension et impact? Alors, j'ai une grosse annonce à faire. Oula. J'ai j'ai bossé pour une pour depuis que j'ai sorti ma dernière vidéo dans Crétine et Pupille, j'ai été contacté par une agence pour faire des bandes annonces. Donc c'est une agence de com qui s'occupe de faire des bandes annonces. Ils m'ont dit, voilà, on va faire un essai avec toi et tout ça. Donc j'ai bossé un petit peu pour eux, j'ai fait une maquette. Hein, j'ai pas fait de bande annonce qui va sortir sur eux. Mais j'ai fait une maquette pour eux et ils m'ont donné accès à une banque sonore de malade. Et je leur ai dit comme ça à la volée, mais ces sons, je peux les utiliser, enfin, je peux les prendre. Comment? Puis ils m'ont fait, ah ouais, du moment que tu ne bouges pas de leur fichier source, tu peux les copier sur ton bureau, pas de problème. Et là, j'ai copié 40 gigas d'effets sonores qui sont utilisés pour les bandes annonces, avec les impacts, avec les effets de. Les swoosh, les vitres cassées, les bruits d'impact, les ce que vous voulez. Donc j'ai une banque de sons monumentale, mais genre complètement dingue, que j'ai que depuis cette vidéo. Donc ça va être la première vidéo que je vais sortir qui va bénéficier de cette banque de sons que je vais pouvoir utiliser tout le temps maintenant. Avant ça, c'était moi qui la faisais au fur et à mesure. Donc en général, je tape le son que je veux sur YouTube parce qu'il y a quand même. Il y a quand même Énormément de gens qui se dévouent pour mettre des extraits en libre service, enfin comme ça, enfin gratuit. Parce que les banques sonores, sinon c'est payant. Et puis, quand tu payes le bruit d'une, je sais pas, le son d'une page de papier qui se tourne et que tu payes ça 2 euros, les boules, quoi. Parce que Alors, des sons, t'as. je sais pas si tu as fait gaffe, mais non, tu nous as dit que tu utilisais que Première, t'as jamais regardé Audition. Ouais. Pareil, j'y suis allé, j'ai vu 2 minutes, j'ai dit bon, je. Ah. Peut-être pas tout de suite, mais si tu vas dans l'audition, en fait, je sais plus si c'est sur la page d'accueil ou dans la page d'aide, en fait, il y a une banque de données de folie et de, enfin, de folie comment on dit, d'effets sonores qui est Ouais. disponible avec le logiciel et t'en as genre, tu dois avoir, bah, tu parlais de clés qui tombent, t'as des bouts d'armes, des impacts, des trucs de sol et tout, et ça Mais c'est c'était super. inclus avec Audition, mais depuis super longtemps.
Et quasiment personne ne le sait, à part les quelques-uns qui regardaient des sessions Ah, qu'on a faites bravo! sur Audition. Et ouais, moi je trouve ça tellement dommage. C'est Ah ouais. télécharge, c'est ouais, c'est dans le menu Aide, c'est télécharger des effets sonores et plus. Donc si vous avez votre Creative Cloud, vous ouvrez Audition, vous allez chercher ça, et vous allez voir, il y en a un paquet. Et puis Ok. du coup, ouais, ça vous permet de tester tout ça, quoi. Ça peut Ben, c'est être un royal. Bon, ouais, maintenant, ouais. j'ai une banque sonore. Déjà, avant de tomber sur cette fameuse banque sonore, comme ça fait quand même 6 ans que je l'alimente au fur et à mesure, je commence à être rodé. Donc, du coup, ben, je ne sais pas si j'en aurais besoin, parce que j'ai vraiment que l'embarras du choix à ce niveau-là. C'est Mais non, ça. mais j'irai voir quand même, parce que on n'a jamais Ouais. trop à ce niveau-là. Et Exact. sinon, c'est vraiment de manière. Par exemple, typiquement, ma vidéo sur Blade Runner 2049, à cette époque-là, je n'avais pas ma banque de son. Et puis là, j'ai voulu mettre le paquet en termes d'effets sonores, de parasitage, de mauvaise connexion, d'hologrammes qui déconnent. Donc ça, c'est énormément de son. Tout ce qui est science-fiction, en général, c'est toujours un univers sonore très fourni. Et donc là, c'est dans les films que je vais les choper, hein. Et moi, de toute façon, j'ai un peu une oreille qui traîne à chaque fois que je regarde un film. Et dès qu'il y a un son qui me branche, genre un truc un peu organique, un petit peu... qui sort du lot, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, hop, je me dis ça, rien que pour ça, le film, je le télécharge et j'isole ce petit passage pour pouvoir l'utiliser pour une transition, pour je ne sais quoi, c'est toujours bon à prendre. Donc du coup, ouais, je vais show. Et dans ma vidéo sur Blade Runner 2049, dedans, vous avez des sons de tous les aliens, des deux Blade Runner, de The Cell. The Cell a un univers sonore de dingue, ce film. Et Carrément. j'ai vraiment énormément de mes sons. Ceux qui connaissent bien le film doivent le remarquer. Il y a énormément de sons qui viennent de ce film. Parce que là, il y a vraiment. Et en plus, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la musique derrière. Il ne faut pas qu'il y ait de la. Hein, parce que moi, je n'ai accès. Quand je vais chercher des sons dans un film, il faut que le son soit quand même un minimum isolé. Parce que. Si quelqu'un parle par-dessus, si un personnage parle par-dessus ou qu'il y a de la musique, c'est foutu. C'est ça, Donc, c'est un peu tout le du boulot coup, derrière de renettoyer, quoi. c'est ça. D'où l'importance d'avoir une banque sonore de malade pour pouvoir aller chercher tout à disposition et tout est isolé, tout est propre. Donc ça, pour ça, je vous le dis là maintenant, le son, ça va être mieux que jamais dans mes vidéos. Ça, voilà. Garanti. L'attente n'aura pas été vaine. D'autres questions? Sur le son, pour l'instant, on est cool. Sur le son, je pense qu'on est bien. Alors, s'il y a Malo qui nous dit du coup, ah, mais d'accord, comment j'ai pu louper ça? Je sais pas, comme d'hab, en cliquant pas sur tous les boutons ou en Oh regardant non, pas les mais bonnes vidéos. en D'ailleurs, loup. s'il y a des fans Ah, de il a sound loupé design, la. D'accord. ouais, l'audition, Oui, pas sur la d'accord. présence du. Non, s'il y a des fans de sound design, le 30 juin, donc dans 2 semaines, je reçois Ben Jacquet. Fait pas mal de sons sur YouTube, Insta et autres. Vous l'avez peut-être vu passer, et je l'ai vu faire des bruits d'arbres et d'entes qui se baladent en ralentissant des bouts de branches. C'est assez Ah. cool. Super. Là, pour le coup, il refabrique tout à la main et c'est très rigolo. Donc, on va voir ça dans quelques semaines. Cool. Alors, Yao nous dit, j'ai beaucoup aimé la vidéo sur le passage de Blade Runner 2049. Ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi j'aimais autant le cinéma de Denis Villeneuve. Ouais. Ah oui, là, il y a une séquence dans ce film où il y a Ryan Gosling qui est dans un ancien casino délabré où il y a un hologramme d'Elvis Presley qui déconne et j'ai eu un orgasme dans ma vie au cinéma et c'était ce jour-là quoi. J'ai Ouais. un orgasme auditif, un vrai de vrai. C'est pas une image, c'est un vrai orgasme. C'est là en termes d'atmosphère sonore, mais ça mérite un poème quoi. C'est sublimissime. Et donc ça c'est ouais, faut avoir l'oreille ultime pour faire ça. D'arriver vraiment à raconter quelque chose, à te prendre au trip rien qu'avec des sons. Typiquement cette scène est extraordinaire. Et d'ailleurs, j'utilise énormément dans mes vidéos. Même là, je crois que la bande-annonce de ma chaîne, ça veut dire que quand on clique sur ma chaîne, il y a une vidéo qui se passe automatiquement. Bah, Ouais. c'est carrément un hommage à cette séquence Alors, du coup. où je reprends carrément les sons de cette scène pour annoncer ma chaîne, quoi. Parce Alors, que. peut-être que la question est complètement en rapport avec ce que tu viens de dire. Malo nous dit, j'en profite puisqu'on parle de son. Bon Dieu, Marty, c'est quoi ce son à 007 dans la bande-annonce part 2, avec précédemment on a parlé d'eux. Il me rend fou. Alors, est-ce que c'est ce morceau, est-ce que c'est ce bout de son-là ou est-ce que c'est autre chose? Attends, attends.
précédemment, on a parlé de quoi? Alors, dans la bande-annonce part 2. Dans les bandes-annonces part 2. Et à 0,07. Je vois pas. Il faut se la regarder, ça dure pas longtemps, hein, c'est 7 secondes, donc on doit y arriver. Ouais. Et tu vas être le seul à l'entendre en plus, parce qu'on n'a pas branché le mot, parce que sinon c'est pas drôle. Super, mais je pense que même de visu, je devrais. 007, ça? Ouais. Regardez, hein. Ah, ouais, d'accord. Ça, c'est un. En tout cas, visiblement, lui, ça l'a ému. Bah, c'est un son que j'ai bricolé. Hein. S'il est saccadé, c'est parce que j'ai coupé dedans. Et le. Je sais plus ce que c'est. Attendez. Merde. Non. En fait, le fait qu'il saccade à la fin, c'est parce que ça fait comme ça à la fin. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait. Mm-hmm. Et à la fin, c'est énormément de sons qui sont imbriqués les uns dans les autres. Mais la nappe de base, je sais plus d'où ça vient. Ça doit venir d'une bande-annonce. Parce que même pour mon travail en général, je m'inspire énormément des bandes-annonces. Je trouve qu'ils ont tout compris pour capter l'attention, pour créer une émotion, un truc qui soit au-delà du cérébral, qui parle aux tripes, pour vraiment communiquer, ne serait-ce qu'avec du son et de l'image, sans rien raconter. Ce qui est parfait pour moi, pour détourner le fait que mon écriture laisse à désirer et pour donner l'impression que ce que je dis, c'est super intelligent. Alors que voilà. Et c'est justement de jouer avec les sons et le son et l'image. Et du coup, je me suis inspiré des bandes annonces parce que eux, ils savent vraiment y faire pour faire des. À chaque fois que j'ai des 10 lits dans le ventre quand j'entends un son, c'est souvent dans les bandes-annonces, parce qu'ils sont vraiment très forts, ça, quoi. C'est pour ça qu'avoir chopé une banque de sons qui vient d'une boîte qui fait des bandes-annonces, je vous dis, c'est... Oui, ça dépanne un peu. Ouais. Ah, c'est comme trouver du pétrole, quoi, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je ne saurais pas exactement dire quel est ce son, c'est plein de sons que j'ai imbriqués les uns sur les autres. Mm-hmm. Après, non, vraiment... Désolé. Non, mais écoute, c'est pas très très grave, hein, tu vois. C'est, ouais. Chacun sa manière de fonctionner. Olivier a décidé de nous sortir du son, il est désolé, il nous dit « Est-ce que tu arrives toujours à récupérer les polices d'écriture des films que tu utilises dans ton montage ou est-ce que tu en recrées toi-même ?» Super question. C'est le point super question du jour. Non, c'est une très bonne question. Alors, oui. Alors, en général, ouais, parce que Internet, quoi. Et franchement, c'est ahurissant de voir à quel point. C'est incroyable parce que juste à ce moment-là, c'est un contre-exemple parce que là, j'ai pas trouvé la typo officielle du film. Donc là, j'en ai pris une qui ressemble. Ouais. Donc, ça va, quoi. Si on n'a pas. Si t'as pas les deux ensemble. Si on n'a pas les deux à côté, l'un à côté de l'autre, j'ai repris la même couleur et j'ai vraiment pris celle qui ressemblait le plus. Mais 80% du temps, typiquement Sin City, il suffit d'aller sur Dafont ou même taper le film typographie et on trouve. À ce moment-là. Cette typo-là, c'est la typo officielle de Sin City et elle est en libre service, enfin elle est gratuite sur Internet, donc c'est vraiment pas compliqué. Alors, par contre, j'ai fait un énorme truc de psychopathe, comme je suis assez content de moi, mais je vais en profiter. Je cherchais la typo officielle de Eyes Wide Shut. Mm-hmm. Désolé, que je n'ai pas trouvé. Genre pas du tout. Et à un moment donné, je voulais écrire bizarre. Mm-hmm. Juste le mot bizarre à l'écran. Ouais. Attendez, deux secondes. Il faut que je retrouve l'extrait. Et qui n'est pas juste un Futura de base. Ben, je voulais que ce soit exactement la même. Et en fait, il y a un truc à savoir, c'est que je suis psychorigide. Ça veut dire que même s'il y a quelqu'un à côté de moi qui me dit ouais, mais celle-là, elle ressemble vachement, t'inquiète, personne ne verra. Mm-hmm. Moi, je le vois. Du moment que moi, je le vois et que moi, je le sais, c'est mort. Donc, je ne vais pas m'en satisfaire. Je voulais la typo officielle, qui est assez reconnaissable en plus. Elle est assez particulière, cette typo. Alors, attendez, à un moment donné, il va y avoir un truc bizarre à l'écran. Hop ! Voilà, donc ça, c'est la typo officielle qu'on voit au générique de fin et au générique.
au générique de début, au générique de fin d'Eyes Wide Shut, et j'ai écumé tout Internet pour trouver précisément la même, mais genre vraiment, parce que chaque fois que je trouvais une typo qui ressemblait, le Z n'était pas exactement pareil, le R pareil, etc., enfin, ça me gonflait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans le générique de fin du film et j'ai fait des screens d'à peu près tous les noms jusqu'à ce que j'arrive à... Et puis, j'ai détouré le B, le I, le Z, le A, ah ouais, le quand R, même. Et je les ai réassemblés pour faire ça. Donc là, c'est quand même... on a bien 6 heures de taf pour écrire bizarre à l'écran. Donc voilà, donc si les gens se plaignent qu'il n'y a pas assez de vidéos, je plaide coupable, je suis désolé. Parce qu'il y a tout un article sur Typographica qui dit que, que Stanley Kubrick était fan de Futura. Et que du Eyes Wide Shut et 2001, c'était Futura Extra Bold. Et dans la version, dans la version chez Linotype, parce qu'il y a eu 5 fontes différentes. 5. Base différente pour cette typo à l'époque, entre 1922 et 1928. Ça m'étonne pas de lui. Ouais, voilà. Ouais. Je vous laisse regarder ça. Ça vous fera plaisir. Voilà, voilà. Nice. Si vous avez d'autres questions. Bon, on a toujours des questions, on a toujours des questions. Ouais. Arnaud nous dit, Arnaud Huck nous dit, il y a un long métrage que je trouve quand même assez fou niveau montage, c'est Mister Nobody. Le genre de film où un mauvais montage peut te détruire la compréhension du film. T'as vu ça, toi? Tu en as parlé dans une de tes séances ou pas encore? J'ai pas vu ce film, je suis désolé. Bah ouais. Mister Nobody avec Jared Leto? Je suppose. Oui, hein. Oui, oui. Non, j'ai jamais vu ce film, on m'en parle beaucoup. J'ai pas vu non plus. Désolé. Rien à répondre dessus, je suis désolé, je peux pas en parler. Écoute, t'es pas le seul hein, pour le découpage de typo. Delphine fait ça, Richard Cornu fait ça aussi. Donc tu vois. Ah c'est... non, mais j'imagine que c'est très courant dans le milieu, mais je pense que pour quelqu'un qui n'est pas du tout. Après, non, je dis psychopathe parce que ça m'est arrivé de le faire pour autrement plus de textes. Donc des fois, des fois, je me rends compte que j'ai perdu 3-4 heures de boulot pour des trucs où j'aurais pu vraiment trouver une typo qui ressemble, mais après, ça ne m'étonne pas du tout que dans le milieu, les gens fassent ça très couramment. Et je sais pas si la Futura Extra Bold elle est sur Adobe Fonts ou pas. Non mais disons que la typo dans c'est une Futura ok mais les bords sont pas hyper symétriques, ils sont je sais pas, il y a un côté pellicule que ça aurait été beaucoup trop propre sur Premiere si je l'avais fait, même si j'avais retrouvé la même typo. Donc en fait ça me dérangeait. D'où mon côté psychorigide, c'est pas le fait et l'idée de filtrer en amont sur un Photoshop ou autre ça. Ah, je pense qu'à l'époque j'avais pas. Aujourd'hui, je me dirais, ouais, les doigts dans le nez. À l'époque, ça fait quand même, ça fait 3 ans, 2018. Ouais, à l'époque, je pense pas que j'avais assez d'outils pour me dire, allez, voilà. Maintenant, pour créer, pour rendre une typo un peu moins propre. Ouais. Parce qu'il y a cet effet trop net, parfois, qui dessert. Parce que moi, et en plus, dans cette vidéo, c'est vraiment ce que j'exploite, le côté vieille pellicule. Donc, il faut surtout pas que ça fasse trop propre. Et donc, du coup, bah, mes typos sur Photoshop, j'utilise l'effet goutte d'eau, miraculeux ce truc. Et je passe par-dessus la typo pour la rendre plus douce, avec pour la rendre moins nette, pour créer cet effet. Voilà, là, typiquement, là, la typo, elle est presque. Elle est vraiment dégueulasse. Quoi. Enfin, je veux dire, la netteté, elle est complètement cradingue, mais voilà, c'est voulu. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoute, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de la session. Est-ce qu'il y a encore un truc ou deux que tu voudrais nous montrer dans le montage, dans ta méthode? On a parlé pas mal du son, on a parlé beaucoup de la typo, on a parlé des effets que tu mettais en place, des séquences imbriquées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait tes montages à toi? Oh, je sais pas, ma technique de travail... Il n'y a pas de formule magique, quoi. C'est des couches sur des couches sur des couches. Voilà. Je fais des effets de transparence, des effets de fusion, des masques d'opacité. Et je le fais jusqu'à ce que ça me plaise. Et ça peut prendre très longtemps, des fois. Mais ouais, l'important, c'est de se dire, de ne pas se sentir bloqué une image. On peut toujours en faire ce qu'on veut. D'avoir ce sentiment de liberté, de jamais être restreint par quoi que ce soit. De se dire, si je veux ça. C'est hyper facile. En plus, vos logiciels, tout est intuitif. Donc,
Quand on commence à maîtriser un truc, on se dit, ah, du coup, si je peux faire ça, du coup, je peux faire ça, 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 ça. Et quand on a une idée en tête, on se dit, ah, mais peut-être qu'avec cet outil, je peux y arriver, même en contournant, etc. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est aussi bien. C'est pour ça qu'il y a, j'ai pas vraiment de formule magique à donner ou de technique toute faite à donner, parce que il y a mille et une manières d'arriver au même résultat, et il suffit juste de choisir ce que toi, ce qui va te parler le plus, ce qui va, avec lequel tu vas être le plus à l'aise. Et donc, il y a ma technique de travail, non. Après, j'ai des gimmicks, ouais, enfin, faire pause dans l'action pour faire une image figée, faire glisser de la typo, tout ça, bon, voilà. Mais sinon, voilà, je me considère plus comme un monteur, hein. Les gens disent monteur, monteur. Comme je vous dis, j'ai pas fait de formation, je connais même pas After Effects, ce qui est quand même dingue. Moi, je connais des gens qui ont absolument pas de chaîne YouTube, qui en font même pas de la vidéo et qui savent un peu se servir de, enfin, plus que moi. Donc c'est complètement lunaire, quoi, Et du coup, en montage, tu es plutôt du genre à tourner en boucle et à couper juste au niveau du mouvement, ou est-ce que tu es plutôt du genre à déplacer image par image et faire une coupe Ah, les deux. Les les deux. deux, à tour? Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est. D'abord, je me mets en boucle, après, je fais image par image. Parce que faut. Je sais qu'il y a effectivement deux écoles là-dessus, Ouais. sur la gestion du rythme. Et c'est un truc qu'on voit dans les discussions, tu vois, sur Motion Café, où là, par contre, c'est que des fans d'After Effects, de Ouais, savoir voilà. justement est-ce qu'ils travaillent sur les pixels ou sur le rythme de ce qu'ils vont mettre à l'écran. C'est une Ah grosse ouais, non, moi, discussion c'est récurrente. une alliance des deux, parce que tout est une affaire de rythme. C'est ce qu'il y a de plus important, le graphisme. Après, ça, c'est bien au tout dernier, le graphisme, mais c'est ce que moi, je maîtrise le plus, et ce qui est, pour moi, c'est les vacances. Le plus compliqué, c'est de régler la voix, le tempo, de régler la musique, de faire en sorte que la musique ne mange pas trop la voix, que tout soit harmonieux et que tout coule, tout soit fluide dans le montage, dans la narration, pour capter l'attention, parce qu'on a beau faire des images hyper fignolées, hyper peaufinées, qui sont très jolies à regarder, mais si le rythme n'est pas là, si ça patine ou si c'est lent ou si ça capte pas l'attention, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, voilà. D'accord. Alors Donc, j'ai. ouais, ce que la partie la plus compliquée, la plus importante pour moi, c'est le rythme, la mise en scène, la voix. Après, le graphisme, C'est vraiment c'est à la fin. c'est cool. Et puis, c'est cool parce que je m'amuse. Vraiment, quand je m'enregistre, je ne m'amuse absolument pas. Quand j'écris, là, vraiment, je travaille parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, hein, d'écrire, être pertinent, ne pas dire de la merde, aller vérifier ses infos. Tout ça, pour moi, c'est du travail. Le graphisme, c'est pas du travail pour moi, c'est que de l'amusement, ça m'éclate. Là, d'aller chercher cette typo et de faire une espèce de vieille image de film, de téléfilm des années 60, en mode, ça m'éclate, c'est vraiment que du plaisir. Donc, je pense que ça se voit que je prends du plaisir au montage. Mais, ouais. Là où j'ai à apprendre, c'est surtout sur. Bah, de toute façon, on a toujours à apprendre sur le graphisme, hein, ça, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais là où je dois vraiment peaufiner, c'est bah, toujours sur comment poser ma voix, l'écriture, hein, surtout. Et voilà, le rythme, le sound design aussi, ça se peaufine au fur et à mesure. Mais c'est très chaotique, ma manière de bosser est très chaotique. J'ai pas vraiment de tuyaux et de solutions miraculeuses à proposer. Pas de réponse à la question de Clément qui dit des tips de montage que tu utilises souvent et qui changent ton workflow. Ouais, non. Non, non, non. L'arrêt sur image avec un zoom, ça m'éclate. Je le fais tout le temps. La première fois que je l'ai fait, d'ailleurs, c'était dans Le Roi et l'Oiseau. Ouais. Et c'était une image de Marie-Antoinette de Coppola où j'ai mis pause et j'ai détouré, j'ai mis un truc derrière. J'ai fait, mais c'est fou ça, mais je vais faire ça tout le temps Je fais maintenant. ça tout le Et temps, ouais. j'ai jamais arrêté. Tu Et vois. ça, ouais, c'est mon petit gimmick. Sinon, j'en ai pas. Et alors, Non. la question de la fin, elle sera pour Malo Le Borgne qui nous dit, question un peu précise, mais pour ce qui est de l'export. Entre les vidéos sur YouTube et Daily, la qualité est vraiment différente. On pourrait Oh là connaître tes là. paramètres d'export. Ah, tu vois, et c'est la question précise du bout. Alors, ouais, non, mais tout va changer avec cette vidéo. Ah mince. Ça va être la première fois, ça va être la première fois que je vais exporter en 4K. Jusqu'à présent, je faisais 1080p HD. Donc, je vais dans Médias.
Ah non, c'est une question intéressante, mais là, je trouve que la réponse va être longue. donc, je vais dans personnaliser. Et jusqu'à présent, je faisais YouTube 1080p Full HD. Et ce qui n'est pas terrible, ce qui n'est vraiment pas ouf. Parce que même là, par exemple, typiquement, ce passage de vidéo où il y a des effets de pellicule, des effets de grain, ça, en 1080p, une fois en export, ça fait des pixels dégueulasses. Et en plus, si on rajoute à ça la compression YouTube, alors là, c'est un massacre. C'est pour ça que cette vidéo, il faut absolument que je la poste en 4K. Ça va être la première de ma chaîne. Parce que j'ai trouvé une technique pour épargner mon ordi. Parce que là. Pardon. Parce que là, ça va être la première où je vais exporter en Vimeo 2160p 4K Ultra HD. Chose que je ne pouvais pas faire avant parce que l'ordinateur, il plantait. Quand, surtout une vidéo de 40 minutes, jamais il peut pas. Donc j'ai dit, mais bordel, mais comment exporter une vidéo en 4K? Ah merde, j'ai lancé un codage, désolé. Voilà. On va voir si Donc c'est comment rapide. faire pour l'exporter en 4K? Donc ce que j'ai trouvé une technique pour ne plus exporter genre tout ça d'un coup, parce que même pour Retina, même ma dernière vidéo Retina Pupille, c'est ce que j'ai fait. Hein. La timeline, elle était massive comme ça, avec tous les éléments imbriqués, enfin un truc monumental pour l'ordi. Donc je faisais des exports qui duraient 12 heures. L'exportation de Retina Pupille, elle a duré 12 heures pour une vidéo en 1080p. Donc comme j'ai dit, qui n'est pas terrible en plus de ça, quoi. Donc je me suis dit, mais comment détourner le truc, quoi? Il y a forcément une combine, et j'ai trouvé. Donc maintenant, petit bout par petit bout, j'exporte en 4K des petits passages. Genre, par exemple, je vais prendre ça. Là, j'exporte en 4K. Je le mets dans un dossier. Je vais dans une autre séquence qui s'appelle 4K. Et Et là, vous après, tu voyez, réimportes ta séquence montée. c'est ça. Donc, c'est de l'export d'export. Et tu à cette étape-là, tu rajoutes des trucs, tu refais du montage ou quand même Ah non, pas? non, à cette étape-là, tout est fini. Alors, je vais peut-être te parler d'un truc. Tu regarderas dans ton média encodeur, quand tu glisses des fichiers MP4, si tu les glisses du côté gauche de la fenêtre, tu vas faire plusieurs sorties et plusieurs exports. Si tu les glisses du côté droit de la fenêtre, il va te proposer de les concaténer et d'en faire un seul objet à la fin. Ah, j'ai rien compris. On peut reprendre. Désolé. Quand tu fais, tu as séquence 1, séquence 2, séquence 3, si tu les as exportés en MP4, 4K, machin, tu peux les glisser dans Media Encoder pour les assembler et faire une séquence 1, 2, 3, 4. Oh putain, génial. Ouais, mais À en fait, tester, sauf si justement, c'est pour ça que je te demandais si tu avais du remontage, tu vois, là il y a l'air d'y avoir des bouts de séquence en plus. Il y a quand même des petits trucs. Il y a des petites routines. Il y a toujours besoin de routines parce que en plus, en fait, avec cette technique-là, j'ai viré tous les inconvénients et j'ai gardé que les avantages, quoi. Parce que non seulement l'export maintenant, il va plus durer 12 heures, mais 1 heure. On va garder la qualité en 4K parce que c'est du 4K sur du 4K, donc à la fin, la qualité est quand même pas trop dégueulasse, elle est même quasi parfaite. Et donc l'export est plus court. En plus de ça, il y a toujours des imprévus lors d'un export, toujours. Du coup, là, plutôt que d'avoir la mauvaise surprise à la fin, au moment où tout le monde attend la vidéo, où j'ai dit que j'allais la mettre en ligne, et d'avoir la boule au ventre que l'export se passe bien, parce que sinon on est reparti pour 12 heures d'export, enfin bref, l'enfer, quoi. Donc là, plutôt que ça, enfin, à la place de ça, là je fais les exports au fur et à mesure, ce qui fait que les mauvaises surprises, j'ai le temps de les voir venir et de les anticiper. Typiquement, là, il y a une rustine parce qu'il y avait un reflet, un effet de transparence dans le Mac. Et à l'export 4K, il a disparu, il ne voulait pas le faire, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, j'ai mis une rustine pour arranger ça. Mais ça, si j'avais fait un seul export à la toute fin, Ouais, tu l'aurais découvert à la fin, et est-ce que tu aurais eu le courage de regarder les 45 minutes d'un coup? Comment? Est-ce que tu Ah aurais eu mais. le courage de regarder les 45 minutes d'un coup à la Ah mais fin? c'est obligatoire, je le fais toujours avant de mettre en ligne, parce que c'est pas que j'ai le courage ou pas, c'est que c'est obligatoire. C'est que je peux pas mettre en ligne une vidéo si je n'ai pas checké de A à Z pour voir s'il n'y a pas de souci, parce que on ne sait jamais. Hein, Non, quand même. il peut y avoir des grosses bricoles et là tu te rends compte. Hein. Et il y a, y a, t'sais, y a un morceau qui n'a pas été liké, donc du coup il y a, y a,
tout un passage où il n'y a pas ta voix, où il n'y a plus de musique. Enfin bref, ouais. Non, 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 c'est absolument impossible. Donc du coup, là, ça me permet de tout voir à l'avance avec des vidéos qui sont déjà finies. Donc tout ça, ça c'est déjà complètement fini, ça ne bougera plus. Donc pas de mauvaise surprise à l'export. Un export qui est donc beaucoup plus court. Enfin, que des avantages, quoi. Et en plus, une qualité qui va être autrement plus conséquente. Donc j'ai très hâte de la sortir, celle-là, parce que il y a aussi énormément de choses qui ont changé en 8 mois. Il y a énormément de choses au niveau sonore, au niveau visuel. Et ouais, je suis désolé pour les gens qui regardent les vidéos sur YouTube et qui se... Surtout, ouais, quand vous regarderez cette vidéo sur YouTube, mettez le curseur de la qualité au max. Hein. Pitié, ouais. Quoi. Parce que YouTube va faire des saloperies. Hein. Enfin, la compression YouTube, elle va ruiner complètement certains effets de montage que j'ai pris du temps à faire. Ne serait-ce que pour reconstituer cette vidéo. Avec amour. Voilà, c'est ça. Ces effets de grains, de pellicule, tout ça sur YouTube, ça va juste paraître comme une liasse de pixels carrés. Et ça va être disgracieux au max. Et c'est vrai que oui, je conseille pour les aficionados de mon travail d'aller sur Vimeo. Hein. Mais j'ai plus mon compte. Il va falloir que j'en refasse un parce que Rétine et Pupille n'est pas sur Vimeo. Donc il faut que je me refasse un compte. Justement, j'avais pas les moyens de payer un. Mais voilà. Payer un Vimeo Pro. Va falloir c'est mettre ça, un ouais, tipeur ouais. À contribution. Voilà. Ok. Bah écoute, bon, merci beaucoup parce que c'était bien cool. On ouais. a pris plein les yeux pendant toute la séance. Cher public, est-ce que ça vous a plu? Vous savez comment dire que ça vous a plu, soit dans le chat, soit dans les likes, que vous soyez sur YouTube ou sur Behance, hein, comme vous avez vu, là, ce coup-ci, la conversation a battu son plein des deux côtés. On se retrouve, nous, demain, à 14h avec Olivier Gourva. On va parler typographie, cette fois-ci, et pas aller chercher les trucs sur Dafont, mais aller choisir ses polices sur font.adobe.com. Et du coup, bah voilà, ça nous fait pas mal de sujets à remettre en place. Est-ce que je te laisse 15 secondes pour réfléchir à un mot de la fin, et ce sera ton tour. Nadine nous dit, on n'a plus tes vidéos sur Vimeo. Ça, c'est le fan club qui s'exprime. Pas toutes, hein, quand même. Hein. Il y a la 25e heure qui a viré de Vimeo, ils l'ont viré, je ne sais pas pourquoi, sans doute pour les mêmes raisons, peut-être parce qu'il y a des sujets un peu sensibles dedans, je ne sais pas, mais Le Roi et l'Oiseau, elle est toujours disponible sur... j'espère quand même. Ouais. Non, mais je pense qu'on me l'aurait dit. Hein. J'ai quand même des rabatteurs qui me préviennent du moindre changement, et j'ai l'impression quand même que le gros de ma chaîne est quand même présent sur Vimeo. Juste où elle a 25e heure, elle est partie. Si elle parle d'une vidéo en particulier, qu'elle le dise, mais sinon, voilà. Et Julien qui nous dit, on manque de live sur le montage, c'était donc un bon live. Ouais, c'est pas trop dans mes habitudes de faire ça, donc ouais, pour le mot de la fin, je sèche, hein, comme je t'ai dit, je suis pas très à l'aise avec l'exercice. On va le réécrire et on refera une prise du mot de la fin. Ouais. On fera 4 ou 5 et on essaiera de trouver la bonne. Voilà. Donc, merci à tous, en tout cas, parce que vous avez été bien cool, plein de questions, plein de choses à nous raconter. Et puis rendez-vous demain à 14h. Au revoir.